In your face, all over the place. We're online 24/7. You're listening to the hottest internet station. Vous êtes bien sur Radio of Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. 5, 4, 3, 2, 1. Are you listening? Damn. Against superior competition. Curry. Bergeau back to Curry. Corner three. Impressive that Steph Curry just put on Kyrie Irving to the pass. Irving pulls up. Stops on a dime and banks it. This is a tough time right now. They've already given up five threes. Green the drive. Left hand. Think the game. Play the game. I think he's overthinking. He's got to be aggressive and attack the basket. Thank you, Todd. Livingston to jump with that down in numbers. Plus eight for Cleveland. James drives in hard. Isaac Green gets away from Shumpert. Layup. Count it. And a foul at the other end. Puts it in. Played 6 minutes. J.R. Smith with a hand in his face. Nails that two-pointer. Another three-pointer. Curry with the three fouls. Picks him up. J.R. Smith tries another three. That's good. J.R. Smith with a... Curry with the three fouls. James passes off. Smith another three. That's good. Backs in. Tough fallaway shot. It's good. Second differential, and they shot it way too early. Iguodala inside. Finds room and finishes. Shot clock back to five. James drives. Gets in the paint. Puts it up and puts it in. Making plays for you. You got smaller guys on you. You got to capitalize. That time he does, right on Cumart. Irving drives on Green, gets inside, off balance, comes up short, gets his off rebound and puts it back. Seven to shoot. Good ball now from Shumpert. Green drives on James and finishes. The Cavs possessions here to start the fourth. James drives down the lane, running shot, banks. Vous êtes bien sur Radio of Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. To the city. I gave everything that I had. I poured my heart, my blood, my sweat, my tears to this game. And against all odds, I don't know why we want to take the hardest road. I don't know why the man above gives me the hardest road, but it's nothing the man above don't put you in situations that you can't handle. And I just kept that same positive attitude, like, instead of saying, why me, they're saying, this is what he want me to do. And, Cleveland, this is for you. Oh. You did we'll be right back.
plaisir, mon homme. Toujours en pause. Mon cube, les urinas du mariage, mon frère. Souvent égalé, jamais imité. Comme tu le sais, mon frère, le week-end, c'est le yacht à Miami. Alors, on est très, très heureux d'être une fois de plus en direct live sur Radio Off Basket. Donc, merci d'être connecté. On a eu un petit souci avec le micro. C'est bon, c'est parti. Donc, comme vous le savez, c'est parti pour le match des auditeurs. On s'excuse. Non, on s'excuse pas. Comment? On s'excuse pas. On a été absent pendant une semaine. On leur dit pourquoi quand même. Ah oui, non, ben, ça va. Hein, non, ben, ça va. Non, on t'a Bora Bora. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, donc, bon, la radio n'était pas off, hein, la radio était on, il y avait toujours des flash reportages que l'on diffusait toute la semaine, mais les émissions en live, hein, qu'on a l'habitude de diffuser le mardi, le jeudi et le vendredi, on les avait remplacées par des flash reportages pour la simple raison qu'on vivait, enfin, moi, je vivais surtout un événement marquant, hein, Mopao? Ça n'arrive qu'une seule fois dans une vie, si tu es sérieux. Ah oui, ah oui. Hein, mon frère? Ah oui, ah oui, surtout, mon homme. Surtout quand tu dois te faire bénir par Dieu et, enfin, devant Dieu et les hommes. C'est un moment, ce sont des moments gravés à jamais. Voilà, voilà. Donc, pour être clair, donc c'était la semaine de mon mariage, donc c'était la semaine de mon mariage, donc j'en profite donc pour faire un gros big up à mon épouse, Telele, hein, mon pauvre. Oui, big up à la mère, Donc cette semaine, donc ça samedi plus précisément le samedi 23 juillet, donc je me suis marié, je suis passé devant le prêtre, hein, donc devant Dieu et devant les hommes. J'ai donc prononcé mes vœux, hein, Mopao, les vœux qui me lient à vie à Madame Lélé. Donc, ah oui, Christelle Lélé, donc c'était. Fallait prendre le temps pour travailler sur ces vœux. Voilà, donc c'était un moment très, très. Comme vous le dites, enfin, vous le savez, hein, c'est un moment unique, hein, pour ceux qui sont déjà mariés, ils savent que. C'est un moment unique dans la vie d'un homme, donc voilà, on a pris une semaine le temps de préparer, de mettre en place tous les éléments de ce mariage, donc on pouvait pas être en direct live pour assurer les shows, mais par contre il y avait des reportages, hein. Vous savez que Team USA cette semaine et la semaine dernière était en pleine préparation, donc on a diffusé des flash reportages pour vous tenir à jour de l'actualité, donc vous n'avez rien manqué, hein, Mopao, ils n'ont rien manqué de l'actu. Non, il a manqué. Pour le moment, c'est, ouais, deux matchs. C'était vraiment des matchs assez, dont le score était prévisible, hein, des scores avec des indicatifs assez lourds. Hein, mais on va commenter cela. Oui, on va commenter cela. On va en parler tout à l'heure. Donc voilà, c'était. Donc vous aviez suivi l'actu. Donc on reprend. Donc c'est la reprise, hein, la reprise des directs de live, la reprise des shows majeurs de la Radio Off Basket, à savoir le match des auditeurs le mardi à 21h30 après No Limit Basket le jeudi et enfin Flash Basket le vendredi. Et toujours à 21h30, donc on se rend direct live, ne vous inquiétez pas, on est toujours là, toujours positionné. Hein, Mopao, la drogue de la radio, oui. Là, c'est fort, hein. On n'a pas, ça dépasse même le on appelle ça quoi, hein. Tu connais le départ, le truc, le père fume, ça monte directement dans le cerveau, là, ça dépasse même ça. C'est ça, mon frère. Oui, ça dépasse le départ. Non, on est très, très heureux. À chaque fois qu'on est en direct live sur Radio Off Basket, c'est toujours un plaisir qui monte à chaque fois, à chaque émission. On en veut toujours plus parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus de fans, des milliers
de fans qui nous suivent à travers le monde, hein, puisque Radio Off Basket est une web radio, donc on nous écoute de par le monde, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, vous pouvez écouter enfin votre radio préférée, Radio Off Basket. Vous êtes fan de basket, vous êtes francophone ou vous êtes anglophone, vous comprenez un peu le français, vous comprenez un peu l'anglais. Vous avez votre radio de basket, Radio Off Basket, donc n'hésitez pas. Parlez autour de vous, hein. Parlez à vos copains, vos copines. Hein. C'est la seule web radio exclusivement dédiée au basketball pour le marché francophone, africain et européen. Hein. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Hein, hein Mopao ? Oui, il faut spread the word. Voilà, spread the message, spread the word pour en parler. Donc voilà. Alors pour ce match des auditeurs, on va aller donc sur cette émission, le match des auditeurs édition 22 saison 1. Donc de ce match des auditeurs. Alors j'ai Aurélien Biolé, hein, le match des auditeurs, on le rappelle, c'est l'émission pendant laquelle on fait donc le point sur l'actu avec des auditeurs de la radio, hein, les fidèles auditeurs de la radio, on les appelle, hein. Donc si vous souhaitez participer en direct avec les auditeurs qui vont nous rejoindre sur le parquet de la radio, ça marche très facilement avec votre compte Skype. Donc si vous avez un compte Skype, n'hésitez pas, vous contacter Radio Off sur Skype et quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, on n'hésite pas à vous appeler. Donc je vais appeler l'un de nos fidèles auditeurs, il s'agit de Aurélien Biwele. Alors je l'ajoute. Alors, ça sonne du côté d'Aurélien. Alors, le Doc One P, il doit être aussi avec nous ce soir. Oh, Aurélien, tu m'entends, mon frère? Aurélien Biwele. Oui, bonsoir. Oh, bienvenue, Aurélien Biwele. En direct de Sacramento. Hein, mon frère? Comment ça va? En poste, tu es en direct line avec Pierre Ngorameux qui est là. Du côté du Delaware. Oh là là, c'est les gars qui vivent bien. Ils sont du cosmopolitain à Vegas, mon frère. C'est les bobos. Hey, Aurélien, tu entends ce que Pierre dit? Non, ce n'était pas moi, c'était mon cousin. C'est bien. Je dis que ton cousin là, est plus grand que taille que toi. Allez, je vais appeler du côté de Londres Dimitri Tamba qui doit être avec nous ce soir. Je vais le sonner, Dimitri Tamba, il doit être avec nous ce soir. Alors, le doc aussi devrait nous rejoindre incessamment, mais il ne m'a pas... je vois son profil est encore déconnecté. D'ailleurs, il faut que je vérifie, j'ai pas vu. Poupa, tu peux regarder les messages sur le groupe de Radio Off, là, pour voir s'il n'a pas tapé un message. Parce que mon téléphone a bipé, mais il est loin là-bas, j'ai déposé là-bas la charge. Il a tapé un message, quoi. Amar, il a tapé un message. Non, il n'y a pas encore de message. Ah, ok. Parce que j'ai cru que mon téléphone a bipé. Je l'ai mis à la charge, il est loin de moi. Donc, si je reçois des messages, des appels, je ne pourrais pas décrocher. Alors, on est en train d'appeler Dimitri. Alors, Aurélien, c'est comment, mon frère? La semaine. Ça va, Philippe. La semaine commence bien. Oui, ça commence bien. En fait, félicitations. On ne s'est pas parlé depuis la félicitation pour le mariage. Ah, merci. Ça fait plaisir. Et ça fera aussi plaisir à Madame Lélé, à qui tu envoies un big up, hein, mon frère? Oui, bien sûr. merci, ça fait plaisir. Allez, pendant qu'on est donc en train de contacter Dimitri Tamba, c'est encore en train de sonner. De son côté, on devrait aussi avoir Eddy Tambandu du côté de OKC. Donc Eddy Tambandu qui devrait être avec nous. Je vérifie un peu son profil Skype là. Je vois si c'est connecté. Alors Eddy n'est pas encore connecté. Alors en attendant, on va donc enchaîner. On va commencer par évacuer les préalables à chaque émission, hein, comme tout. Comme à chaque fois, comme vous le savez, donc c'est sur, nous sommes sur Radio Off Basket, la seule web radio exclusivement dédiée
au basketball. Donc sur cette émission du mardi, le match des auditeurs, hein, une émission dédiée à l'actualité du basket, une actualité pendant laquelle on débat donc sur l'actualité aussi, sur des débats liés au passif, hein, de l'histoire de la NBA. Et bien entendu, si vous souhaitez participer en direct live comme notre fidèle auditeur Aurélien ici présent, ça marche très facilement avec votre compte Skype. Donc si vous avez Skype, vous nous envoyez une demande de contact à l'attention du compte Skype de la radio. Donc vous envoyez un message au compte Skype qui s'appelle Radio Off. Une fois qu'on reçoit votre demande sur Skype, bien entendu, on vous appelle en conférence comme avec notre auditeur Aurélien ici présent. On vous appelle et vous pouvez participer en direct live avec nous. Il n'y a pas de souci, n'hésitez pas. C'est la famille du basket ici, que vous soyez fan, que vous soyez expert ou non, ou bien que vous soyez simplement un fan de NBA, un fan de basket, hein, vous nous appelez. Et bien entendu, on vous passe à la radio. Bien entendu, si vous souhaitez participer avec votre clavier, il n'y a pas de souci, ça marche facilement sur Facebook, hein, vous allez sur notre page Facebook, la page de la radio qui s'appelle Radio Espace Off, H-O-F Espace Basket. Vous allez sur cette page, vous nous mettez un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Alors Dimitri Tamba qui est avec nous du côté de Londres. Dimitri, tu es là mon frère? Je suis là Philippe, bonsoir tout le monde. Bienvenue Dimitri Tamba, bienvenue sur le parquet de la radio. Oh, ça fait plaisir mon frère. Ouais, ça fait un plaisir moi aussi. Bien, ta cravate la donne. Hein. Ah bon? Sur la photo là, c'est... Hein, hein mon pauvre, tu vois ce que voilà? Il a une cravate là, Massa. Ouh là là, il a interpellé mon pauvre. Mon pauvre. Oui, mon homme. Dimitri est là, hein. Il te fait un pick-up. Je veux pas qu'il dise quelque chose. C'est mon petit, tu vois, les gars que depuis qu'ils sont, tu vois, c'est un peu comme ça qu'ils sont devenus. Il faut le laisser, si quelqu'un veut l'arrêter, il veut le toucher les mains, il va comprendre. Je pense qu'il est arrivé, là, comme il marche avec les Japonaises et tout, là-bas, il marche. Oh là là. Sinon, c'est comment ta semaine commence bien? Ça va, Dimitri? Oui, ça va, ouais, ça va. Ça la, va pluie, la pluie est revenue de votre côté aussi ou pas? Non, pas encore. Mais c'est vrai que je décide de faire un peu plus froid, mais ça va quand même. Ouais, parce que du côté de Manchester ici, Dieu m'a donné le soleil toute la semaine pour mon mariage, mais après, dès voilà. Que le mariage est terminé, il m'a seulement renvoyé la pluie. Ah, tu vois, au moins tu sais que tu es béni. Au moins, je peux confirmer que je suis effectivement béni, donc merci. Merci encore. Donc, Dimitri qui est avec nous, on attend Eddie Tambandu du côté d'OKC qui doit nous rejoindre. Et bien entendu, le Doc ONP qui doit être avec nous ce soir. Alors, j'étais en train de terminer les préalables à chaque émission. Donc, je précisais que pour nous écouter, hein, notre émission n'est pas une radio à fréquence, c'est une radio sur Internet. Donc, pour nous écouter, un seul lien, www.radiooff.net. Et une fois sur le site de la radio, vous pouvez télécharger à loisir les applications de la radio Off Basket. Vous avez toutes les indications sur la page d'accueil, hein. Vous ne pouvez pas manquer les indications en gros, hein, sur la page d'accueil. C'est marqué télécharger notre application, hein. Vous téléchargez l'application et vous l'installez sur votre téléphone, ou bien si vous souhaitez, vous pouvez cliquer sur le player de la radio, hein, sur la page d'accueil, et vous pouvez écouter votre radio préférée. Bien entendu, si vous souhaitez, vous pouvez rejoindre le groupe natif de la radio Off Basket, le groupe All of Fame Basketball Cameroun, de l'un des plus grands groupes sur Facebook. Aurélien, tu sais combien de membres on a sur le Off maintenant? C'est quoi, plus de 12 000? 13 040 membres. Oh, impressionnant. Hein? 13 040 membres. Ah, ça, on en est très très fiers, ça n'arrête pas d'augmenter. Je crois que le succès de la radio en est aussi pour beaucoup. Donc, rejoignez-nous, hein, sur le groupe
All Hall of Fame Basketball Cameroun, un groupe dans lequel on enjoy les news basket. Hein. Vous avez toutes les news basket. Hein. Chacun se bat ici pour être à la page. Personne ne veut rester à l'arrière du TGV, hein, Dimitri. J'ai dit que sur le groupe All Hall of Fame, donc personne ne veut rester à l'arrière du TGV. Non. Tu sais que maintenant le groupe est tellement à la page que parfois. C'est sur le groupe même que je m'informe. Tu n'as même plus besoin d'aller sur les sites. Sur les sites internet, ouais. D'être affilié à une page sportive, ouais. Voilà, donc on a tout. Et on s'éclate un match. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Radio Off Basketball Cameroun. Vous pouvez aussi participer sur Twitter si vous préférez utiliser votre compte Twitter. Donc vous tapez votre commentaire, votre question à l'attention du compte Twitter de la radio qui s'appelle Radio Off Basket, bien entendu. On n'hésitera pas à lire vos réactions en direct. Nous indiquons que notre émission, comme toutes les émissions de la Radio Off Basket, est sponsorisée par la marque 8R237, la marque de référence pour la Nation 237. Et retrouvez tous les produits de cette marque sur le site www.8R237.com. Mopao! Oui, madame. Est-ce que tu entends la go de Dimitri qui est en train de parler là? Faut laisser mon petit, faut laisser. Depuis qu'on a laissé seul là, depuis qu'il y a du papa et maman, j'entends les grands frères pour le côté là. C'est pas du blanc, c'est pas du blanc. Pourquoi tu aimes faire l'émission avec ta go à côté, Dimitri? C'est pas ma faute. Est-ce qu'il y a du papa et maman qui le regarde, le grand frère qui va côté, c'est le tu l'entends, non? C'est là depuis qu'il a pris le micro. Ouais. Tu es à côté d'elle? Elle a goûté moi, je sais pas, elle a en tout fait ces choses, je sais pas ce qu'elle a en tout fait là-bas. Hey, mon petit, donc tu as la femme dehors. Hey! Ouais, bon. C'est pas possible. Ok. Et toi, à côté, on t'aime d'attendre, tu viens déjà. Tu es là. L'union légale déjà. Hey! Au point en direct, pardon. Ah, c'est pas possible. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas désagréable, donc ça va, ça passe. N'est-ce pas, merci beaucoup. Ah, Aurélien. Normalement. Ce n'est pas encore désagréable. Ouais, dégressif. Allez, on va enchaîner vite sur l'émission de ce soir. On a quand même assez perdu de temps. En attendant donc que le Doc One puisse nous rejoindre. Je vais quand même prendre mon téléphone, on va voir s'il m'a envoyé un message. Qui ne vient même plus, qui doit... Aurélien, tu dis que le doc ne vient même plus, hein. Ah, qui doit... C'est celui qui est en train d'écouter, comme tu as l'autre, il va alors courir pour faire sonner aussi. Je suis garde de peine pédiche quelque part. N'est-ce pas? Le Doc OneP. Alors, allez, on va donc enchaîner. Hein. On va donc enchaîner avec votre émission. On va commencer par faire le point sur quelques news de NBA avant d'enchaîner sur le débat de ce soir. Alors, je fais juste le point par rapport au débat de ce soir. Ce sera un débat assez léger, hein, puisqu'on ne va pas. On va pas commencer les choses dans la violence directe. Dimitri, on va commencer doucement. Ce sera un débat, pas vraiment un débat, hein, mais juste une opinion par rapport à votre classement des meilleurs Team USA Basketball de l'histoire. Hein. On va juste faire le point là-dessus. Ce sera à la fin du show. Vous allez donc faire votre classement, votre meilleur 5 des meilleurs Team USA Basketball. Hein, Aurélien, on va un peu faire le point là-dessus. Ça fait partie du sujet de ce soir. On va un peu se faire plaisir avec ça. Et bien entendu, le plus important sera les news NBA. Les news NBA, il y a quelques news intéressantes, à savoir quelques informations croustillantes sur Russell Westbrook. Vous savez pertinemment qu'on a tous entendu les déclarations de Kevin Durant qui avait donné son opinion par rapport à son coéquipier. Mais vous savez que personne n'a encore entendu Russell Westbrook jusqu'à présent. Donc, ce soir, on va avoir quelques indications concernant Russell Westbrook. Ça va être intéressant à suivre sur Radio Off
basket. Allez, on va enchaîner pour le match des auditeurs édition 22. Bon, pas, tu es prêt, je lance le jingle. Vas-y, mon homme. Allez, je lance le jingle. Je vais juste couper un peu votre micro le temps que le jingle se lance parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que la voix de Dimitri peut faire un truc là-bas. Il faut couper le micro. Allez, on lance un jingle. C'est parti pour les news NBA. Je lance un jingle. Et allez, c'est parti donc pour le direct live donc de votre 22e édition de votre flash. De, non, le match des auditeurs, pardon. On fait le point sur les dernières actus. Alors, on va commencer. Donc, je vais donc. On va commencer par faire le point d'abord sur les derniers agents libres, les derniers best free agents sur le marché. Alors, sans compter bien entendu LeBron James, parce que tout le monde sait que LeBron James va re-signer. À Cleveland, hein. On va quand même faire le point sur les autres free agents, les autres best free agents encore free sur le marché des transferts. Alors, on va commencer par J.R. Smith. Alors, J.R. Smith du côté de Cleveland. J.R. Smith, c'est quoi? 204 tirs à 3 points réussis cette saison. C'est certes 200 tirs à 3 points de moins que Stephen Curry. Mais au final, la bague de champion est bien au doigt du Cavs. Monsieur à qui plus est. LeBron James compte sur sa capacité à jouer des deux côtés du terrain. À 30 ans, J.R. Smith devrait bien entendu re-signer à Cleveland. Mais une autre franchise peut toujours faire une offre qui pourrait être difficile à refuser. Mais je pose la question directement à Aurélien. Aurélien, est-ce que tu penses que si on offre un contrat max à J.R. Smith, tu sais pas moi, New York. Il était là-bas. Si une franchise lui propose un contrat max, tu crois qu'il peut accepter ou il va empiler à 200%? Non, je ne pense pas qu'il va partir. Je crois qu'il va rester à Cleveland. Il a eu une interview là en milieu de saison où il expliquait un peu ses débuts de carrière parce que lui aussi a été drafté à partir du lycée et il disait que pour lui, bien qu'il soit de la même génération que LeBron James, pour lui ça a toujours été un rêve de jouer avec lui. Et maintenant qu'il a eu la bague en plus, je crois qu'il va remplir pour battre encore les Warriors l'année prochaine. Ouais, ça c'est vrai. Dimitri, toi tu en penses quoi? J.R. Smith, si on lui offre aussi Dallas lui fait un contrat max, là, d'après toi, il part ou il va sûrement re-signer à Cleveland à 200% pour toi? J.R. Smith, vu tout l'enthousiasme qu'il a dégagé après avoir remporté la bague avec Cleveland. Avec Cleveland, ouais. Oui, et c'est bon, et c'est vraiment bon. Je pense que de tous ces gars, de toutes ces stars qui jouent à Cleveland, et c'est clairement affiché comme étant un vrai lieutenant de LeBron James. Donc, je pense que si LeBron James reste à Cleveland, il va forcément re-signer pour avoir la même aventure, quoi. Parce que je pense qu'il a vraiment été, je vais dire ça comme marqué positivement, hein. Oui, on l'a vu comment, j'étais comme un petit garçon, donc ouais, il va sûrement re-signer. Allez, on va enchaîner avec David Lee, hein, l'intérieur. David Lee, un peu oublié depuis l'ascension de Draymond Green à Golden State. Il a quand même tourné à 7,8 points, 5,5 rebonds dans un rôle de remplaçant avec Dallas cette saison. Il avait raté les deux premiers matchs des playoffs contre OKC en raison d'une blessure au pied. Alors, Mopao. Quoi? David Lee, un intérieur de talent, non, David Lee? Mais un très bon joueur fondamental.
Mais il y a, tu encore vois, sur c'est le marché. Il y a des joueurs qui... Il y a des joueurs qui sont complémentaires, qui n'ont jamais des superstars, mais qui ont toujours leur part sur le marché, en fait. Hein. Mais mm-hmm. Il y a toujours des joueurs qui sont là pour scrap et help the team to get better. C'est ce genre de joueur-là qui est David Lee. Ouais, David Lee qui est donc encore disponible sur le marché. On va continuer avec un autre joueur. Il s'agit de Lance Stephenson. Alors, Lance Stephenson, oublié lui aussi depuis son choix de quitter Indiana pour Charlotte il y a encore 2 ans. Lance Stephenson n'est plus le monsieur triple-double que l'on a connu, mais il n'a encore que 26 ans. Ah, pardon, alors qu'il n'avait que 26 ans, il a porté quand même, 12, 14 points, 4 rebonds et 2 passes en moyenne à Memphis la saison dernière. Alors là, il faudrait qu'il trouve un nouveau plan un nouveau job, on va dire ça comme ça. Aurélien, Lance Stephenson, pour toi, il devrait retrouver facilement un autre club ou il devrait trouver un autre club. Oui, Stephenson, c'est un gars très talentueux. C'est un gars, il me rappelle un peu Russell, pas Westbrook, je veux dire J.R. Smith, quelque part. Un gars très talentueux, mais la fougue de la jeunesse le dérange un peu là. Oui, le tempérament. Donc, il veut faire un peu de désordre. Je pense qu'il a besoin de trouver une équipe où il a où il sera un role player, un peu comme J.R. Smith a trouvé avec LeBron James. Donc, quelqu'un qui va lui permettre de canaliser son énergie et son talent, parce que ce gars est vraiment très talentueux. Donc, si c'est pour trouver un contrat, ça, je ne me pose pas de questions. Il va trouver un très bon contrat. Mais maintenant, pour qu'il revienne au niveau auquel on l'a connu, il faut qu'il trouve quelqu'un qui l'aide à canaliser son énergie. Ouais, c'est vrai. Et pour ça, Mopao, il y a des coachs, non? Tu sais, les coachs habitués aux têtes difficiles du côté de l'NBA. Je le vois bien aller, je sais pas moi, Sacramento, Chicago, avec Fred Hoiberg. Comment est-ce que tu vois le destin de Lance? Ah mais comme a dit Aurélien, c'est les gars qui ont besoin. Il y a les gars en NBA qui ont besoin d'être well balanced. Ça veut dire quand il a commencé, quand il jouait avec les pauvres joueurs, il était well balanced. Ça veut dire qu'il était dans une équipe où il avait une team bound, ça veut dire qu'il avait son équilibre. Et en fait, je pense que son déclin commence là où il n'aime pas quitter là-bas, tu vois un peu, non? Ouais. C'est là où il commence à dégringoler, se retrouve dans les teams où il ne fit pas vraiment. Tu vois un peu, il se retrouve où on va, où les journaux, car il n'est pas facile pour un sportif de se lever chaque matin, ESPN parle de toi de manière négative, mon frère, gars, c'est pas facile. Oui, il a besoin de go dans une équipe. On va reconstruire, on va donner l'esprit de famille. Il va s'asseoir, avoir ses nègres, like, I'm down for you, tu vois un peu, non? Et je pense que les deux équipes, les previous teams où il est passé, les gars n'étaient pas dans. Toujours le problème avec le coaching, le problème avec tel coéquipier, gars, ça ne marche pas comme ça, gars, la NBA. Ah, mais ouais, pour performer, tu dois performer aussi, ça commence dans la tête, hein, c'est aussi dans le cerveau. C'est clair. Donc, comme Dwight Howard, c'est les gars qui ont besoin d'avoir une équipe pour être balancée, en fait. Ils fonctionnent beaucoup à l'affectif. Oui, c'est ça. Ils fonctionnent beaucoup à l'affectif. Allez, on va enchaîner. Alors, L'autre free agent encore sur le marché, il s'agit de Maurice Harkless. Alors Maurice Harkless, free agent avec restriction à Portland, est un joueur polyvalent de 23 ans, de 2006, capable de planter quand même 20 points et 16 rebonds. On se rappelle d'une victoire contre Sacramento, c'était le 5 avril dernier. Il avait été titularisé 14 fois par Terry Scott lors de la saison dernière. Son rôle pourrait devenir plus important avec les Blazers s'il développait un shoot à 3 points un peu plus correct. Un autre free agent encore sur le marché, il s'agit de Donatas Motiejunas, qui est un solide intérieur doué au poste. Hein. Ses soucis de dos ont mis un sérieux coup de frein à sa progression à partir de 2015, et cela fait apparemment encore un peu trop peur aux potentielles équipes intéressées. Alors, le dernier free agent sur ma liste, hein, c'est un joueur que vous connaissez tous. Il s'agit de Mario Chalmers, le meneur Mario Chalmers, 2 fois champion avec Miami en 2012 et 2013. Il avait été transféré le 10 novembre 2015 à Memphis avant de subir une rupture du tendon d'Achille qui a mis fin à sa saison dans une défaite contre Boston. C'était le 10 mars dernier.
lui aussi, sa santé inquiète un petit peu. Alors, Aurélien, est-ce que tu crois que Mario va pouvoir se relancer, Mario Chalmers? I mean, je crois que c'est un meneur plutôt talentueux. Maintenant, je pense que physiquement, s'il met le travail qu'il faut, il peut revenir en jambes. Maintenant, c'est à lui de prouver. Je ne sais pas s'il va vouloir le conserver, mais il va falloir prouver que il est capable de réaliser ce qu'il a réalisé déjà après être transféré là-bas. Il y a Mike Conley qu'on vient de signer pour 150 millions, donc je pense qu'ils ont de gros espoirs sur Mike Conley. Donc maintenant, c'est à Chalmers de se remettre en jambes et de prouver que il vaut la peine, quoi. Sinon, on va l'envoyer même à Sacramento. Ouais. Dimitri, tu te souviens de Mario Chalmers, le meneur de Miami? Oui, je me souviens très bien. Ouais. Il a signé à Memphis, il s'est blessé au tendon d'Achille et depuis, il est out et les proprios ont un peu peur de le re-signer. Comment est-ce que tu vois un peu sa carrière, Mario? Tu crois qu'il va rebondir ou tu crois que c'est un peu mort pour lui? Dis-nous ce que tu en penses. Pour dire vrai, je pense que ça va être très compliqué pour lui. Mmh. Déjà, quand il jouait à Miami, il avait l'avantage d'être entouré de superstars. Donc, ça veut dire que je pense que ses lacunes de jeu et parce que en tant que meneur, je le trouve pas vraiment il joue pas vraiment comme quelqu'un qui maîtrise le jeu comme un maestro. Quand il était à Miami, tu l'appréciais pas? Pas vraiment, parce qu'il y a Dwayne Wade qui a aussi l'opportunité de pouvoir jouer en arrière, en meneur. Donc c'est, je pense que la parité avec Dwayne Wade a quand même permis de pouvoir couvrir ses lacunes, tu vois. C'est pour ça qu'après le départ de LeBron James et qu'il a du mal à se structurer, on l'a fait partir. Et après, Memphis aussi n'a pas été très convaincant. Hein, parce que avant qu'il se blesse, il n'était pas très convaincant. Déjà avec la blessure, je pense que ça va encore poser des questions. Il y a des entraîneurs, des managers, déjà qui vont se poser des questions, savoir si ça vaut vraiment la peine de pouvoir le signer, quoi. Parce que si le signer, c'est un grand risque. C'est prendre un risque. Mais sinon, bon. Oui, c'est prendre un risque, franchement. Je pense que c'est prendre un risque. Si tu as envie de compétir pour jouer les playoffs, Mario Chalmers s'est signé. Si tu n'as pas de star dans l'équipe, c'est prendre un risque. Alors, on va continuer avec les news. On va aller du côté d'Oklahoma pour prendre les nouvelles d'un joueur NBA quand même important pour cette franchise. Il s'agit de Cameron Payne. Cameron Payne, le jeune meneur du Thunder, qui a été opéré du pied. Donc, il a été opéré. Il souffrait d'une fracture de Jones. Déjà? Oui, soit une fracture du cinquième métatarsien. Voilà. Une fracture du cinquième métatarsien, la même qui avait posé de gros soucis à Kevin Durant en 2014-2015, pour la saison 2015. Il devrait être prêt pour le début de la saison prochaine. Et le training camp d'après les infos fournies par le Thunder. On rappelle qu'il a été sélectionné en 14e position lors de la draft 2015. Et il tourne Murray State University. Oui, Cameron Payne. Il a tourné à 5 points, 1,5 rebonds, 1,9 passes en 12 minutes sur 57 rencontres. Il a montré de très bonnes choses, mais il a étrangement ciré le banc à certaines périodes. Il y a eu très peu de temps de jeu en playoff. On rappelle que lors de la Summer League à Orlando, il a été le meilleur scoreur de la compétition avec 18,8 points en plus de 4,5 rebonds, 4 passes en 4 rencontres. Alors, Mopao, tu as réagi par rapport à la blessure de Cameron Payne. C'est quand même, on va dire quoi, que c'est la malchance d'OKC qui commence. Non, c'est pas la malchance. Vu que du high school, il vient de Memphis, du high school jusqu'à la fac, c'est quand même quelqu'un qui a eu assez de minutes dans les jambes. Mm-hmm. Parce que il faut aussi voir qu'au State avec les racines de AU. Tu vois, sans pas tellement les blessures. Tu vois, vu qu'il va être opéré, il va avoir une opération et pouvoir participer au début de saison, ça veut dire que non, c'est pas si mauvais. Ils ont dit qu'en début de saison, il va pouvoir reprendre. Oui, non, c'est bon. Ça veut dire que c'est un truc qui peut réparer ça en quelques mois. Non, c'est l'autre là, c'est important, mais. C'est un petit. Oui, qui a toute son année, sa carrière universitaire, c'est un starter. Et
un stade qui a dominé. Et ce n'est que normal, ce n'est pas une poisse. Ce n'est normal. Il veut se corriger un truc qui ne va pas le freiner plus tard. Et je pense que c'est mieux. Mm-hmm. Tout un peu, non? C'est vu qu'il y a Oladipo qui est, vu qu'il y a Oladipo qui est venu chez eux, ça veut dire qu'il va toujours être comme off the bench. Donc, ouais, c'est un peu ça. Donc, ouais, c'est pas mal. C'est, il a bien pensé. C'est un bon choix. C'est un bon choix de, ouais, de se faire opérer. Allez, on va continuer avec les news. On va aller prendre des nouvelles de la part d'un joueur NBA qui est maintenant un ex-joueur NBA. Il s'agit de Jordan Hamilton. Alors, Jordan Hamilton, il a signé en Turquie. Alors, après avoir terminé la saison avec les Pelicans, le swingman Jordan Hamilton, on rappelle qu'il a 25 ans, il mesure 2m1. Il va quitter la NBA pour rejoindre le club turc de Tofas Bursa. On rappelle qu'il était 26e choix de la draft 2011. Après 2 ans à l'Université du Texas, il a joué aux Nuggets pendant 3 saisons avant d'osciller entre la D-League, Houston, les Clippers et enfin les Pelicans de New Orleans, avec qui il a disputé 11 matchs la saison dernière pour une moyenne de 11 points, 5 rebonds et 2 passes décisives. Alors, Jordan Hamilton... Aurélien, Jordan Hamilton, c'est pas un nom qui te fait citer, mais bon, un joueur qui, il a sûrement reçu un gros, une belle offre du côté de la Turquie pour décider de partir. Oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Déjà que depuis qu'il est arrivé dans la ligue, il n'a pas vraiment imposé son empreinte. Il était en la trade dans beaucoup d'équipes, les Pelicans, je crois qu'il a joué à Houston aussi, Denver, tout ça. Donc c'est un gars qui, bon, il a été drafté, il a eu la chance. Je crois la même année que Kyrie Irving, si je ne me trompe pas. Donc, bon, il a dû se dire, bon, entre jouer en NBA où j'ai pas de temps de jeu et aller en Turquie où je me fais un contrat juteux. Mm-hmm. Bon, je pense que c'est un choix, c'est un bon choix pour lui, quoi. Si on voit l'évolution de sa carrière, s'il gagne un peu les dos, s'il peut envoyer un peu sa marche. Mm-hmm. Ok. Un bon choix pour Jordan Hamilton, hein, c'est toujours le plus important, c'est penser d'abord à soi et à sa famille. Allez, on va parler un fait divers, hein, c'est un fait divers assez impressionnant. Vous vous souvenez de l'ancien shooter Glenn Rice? Mopao. Glenn Rice, yeah. Mopao, tu te souviens de Glenn Rice? Glenn Rice. Glenn Rice. Il semblerait que son fils, Glenn Rice Junior est été arrêté pour vol avec voie de fait. Alors, on va rappeler que les ennuis continuent pour le fils de Glenn Rice, donc il s'appelle Glenn Rice Junior. Donc, Glenn Rice, ancien shooter légendaire, hein, qui est passé par Washington. Il a été blessé par balle il y a un an dans une sombre histoire de bagarre. Cette fois, il a été arrêté en Géorgie pour vol avec voie de fait et possession de marijuana. Mis en détention ce matin, il a depuis été relâché. Il n'a pas encore été jugé pour les faits de l'année passée, c'est-à-dire possession d'armes et de marijuana. Alors, mon pao, c'est pas facile à être enfant de star NBA. Gars, c'est ça, peut-être il y a même un qui a été tué aujourd'hui, hier à Chicago. Notre joueur là, de l'Université de Southern Mississippi. Gars, ça, c'était mon frère, c'est le gars qui. Ils sont wild, mon frère. Ils sont tout en train de vouloir commettre des fouilles. Tu vas te rendre compte que même ce qu'il est allé voler, ce n'est même pas si signifiant que cela, gars. C'est ça le state, mon frère. C'est un peu c'est ça. C'est clair. C'est la culture. Oh, ouais. Je dis qu'on va accueillir Eddie, ton bandit en direct d'OKC. Eddie, tu es là? Oui, je suis là, le big. Bonsoir. Le remplaçant de Kevin Durant. Bienvenue. Bienvenue, Eddie, ton bandit. Merci d'avoir accepté d'être avec nous pour le match des auditeurs ce soir, une fois de plus. Merci pour l'invitation et un grand bonsoir à Aurélien, le grand Mopao et Dimitri. Bonsoir à vous et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Alors, maintenant que je te tiens, Eddie, je vais faire une petite parenthèse, hein, vu que tu es quand même du côté d'où les nouvelles passent, hein, du côté d'Oklahoma. Raconte-nous un peu l'ambiance par rapport à la décision de Kevin Durant. Est-ce que tu as vu les maillots brûlés aussi de ton côté là-bas où... Bon, ils ne le font pas publiquement, hein, donc
Donc, ce serait vraiment difficile à voir, à moins que tu sois... Je vais dire, au niveau de l'ambiance, comment est-ce que tu l'as ressenti, toi, la décision de Kevin de partir? Comment est-ce que tu as ressenti ce choix du côté d'OKC? Comment est-ce que tu... Par rapport à moi, tu parles de moi-même, ma propre impression. Par rapport à toi et par rapport à ce que tu as vu à l'extérieur, dans l'ambiance de la ville, je sais pas trop. L'ambiance de la ville, quoi. Bon, deux points. Bon, déjà, l'ambiance de la ville, c'était vraiment très mort. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment beaucoup de colère, beaucoup de frustration. Ah oui, hein. Oui. C'est-à-dire que c'était terrible. Ça arrivait à un point où, comme Kevin Durant, il avait un restaurant ici à Oklahoma. Les gens commencent à... C'est ce qu'on appelle les reviews, non? Quand tu parles, tu veux peut-être acheter quelque chose. Ouais. Il y a les reviews. Les impressions que les clients précédents ont eues et ils ont écrit par rapport à cela. Donc, les gens commencent à écrire comment son restaurant est mauvais, comment on fait de la mauvaise nourriture là-bas et tout, ça n'a pas la peine d'y aller. Ça n'a même pas fait 3 semaines qu'on a fermé son restaurant parce que personne n'y allait plus. Ah bon? Ouais, on a fermé son restaurant, ça fait même pas 2 jours là. On a fermé ça tout récemment. Oh parce là ça là. Les gens n'y allaient plus. J'ai bien fait te poser la question parce qu'on a une info là. Donc c'est allé jusqu'au point où son restaurant a été fermé. Wow. Oui. Enfin, même maintenant, c'est maillot à 50 cents. C'est-à-dire même moins d'$1. C'est-à-dire que. Le sasaï, non? On fait le sasaï quoi. Genre, ok, celui qui veut venir. Enfin, c'est lui qui veut venir. Wow. Tu vois, un marque qui est de $75 directement à 50 cents. Wow. Donc, la police, il y a même dû avoir la sécurité autour de sa maison parce que les gens sont venus, on voulait l'agresser chez lui, lui faire du mal et tout. Donc, heureusement, il a fait venir la police. Donc, la police a sécurisé sa maison pendant des heures et des heures, le temps que les choses se calment un peu et tout et tout. Sinon, on entrait chez lui là-bas, on cassait tout là-bas. Ah ouais, ce n'est pas seulement... Non, ici à Oklahoma, vraiment, les gars sont... Ils sont très, très fâchés. Même sur les réseaux sociaux, dans les réseaux sociaux... Oui, pour les raisons, on a vu. Bon, ça, c'est l'impression de l'entourage. Bref, toi, personnellement, comment est-ce que tu l'as ressenti? Bon, maintenant, concernant moi-même, bon... Je peux pas dire que je suis déçu, mais ça m'a quand même un peu touché parce que j'avais comme l'impression que l'année prochaine aurait été la saison qui arrive aurait été la meilleure et aurait été la bonne pour nous parce que on savait comment battre Golden State et on a amélioré notre effectif vu le transfert récemment et on se disait que bon avec ça quand même on pourra quand même arriver au moins en finale, même si c'est compète, mais on arrive au moins en finale. Mais le départ a tout saccagé, a tout bafoué. Ouais. Et au départ, je voulais un peu me fâcher contre lui, mais après, je me suis dit, bon, d'abord, de un, ce n'est que le sport, eux, ils font leur million là. Tu te fâches contre quelqu'un qui ne te connaît même pas, tu ne le connais même pas. Et de deux aussi, bon, il a pris la décision qui lui convenait le mieux parce que j'ai un ami ici qui fréquente très, très, très régulièrement son entourage, c'est-à-dire le petit frère de Kevin Durant et même aussi le cousin de Westbrook. Ils se fréquentent, quoi. Et mon ami là me disait que même pendant la saison, Kevin Durant avait déjà des problèmes avec Westbrook. C'est-à-dire qu'ils arrivent aux entraînements comme ça, ils ne se parlent pas et tout et tout. Et même, ils s'échangeaient déjà les textes avec Draymond Green pendant la saison. On en a parlé il y a 2 semaines. Lors même de la série Golden State contre OKC. Ils sont allés passer le temps ensemble, entre les matchs, là, Game 3, Game 4, ils partaient souvent aller passer le temps ensemble. C'est-à-dire ils partaient hang out et tout. Donc, il y avait déjà des signes. On va revenir un peu sur ce dossier, hein, parce qu'il y a notamment... les déclarations d'un journaliste que tu dois connaître, un journaliste qui semble assez proche de l'entourage de Russell Westbrook. Je vais te donner son nom sur mes fiches. Là, il s'agit de... Il s'appelle Young... Quoi là Young, Russ Young.
Oui, Maurice Young, je crois que c'est ça, oui. Royce, comme la Royce. Oui, Royce Young, oui. Il a donné quelques trucs. On va en parler tout à l'heure parce que ça fait partie des news. Je vais en parler et tu vas me donner ton opinion par rapport à cela. Dimitri? Allô, Dimitri? Darius? Oui, désolé, oui. Oui, Dimitri, tu vas pas pouvoir aller manger au restaurant de Kevin Durant avec ta copine, là, ok, si c'est mort. Avec ma copine. Ils ont fermé le restaurant. Non, mais. Ouais, bon, ils ont fermé le restaurant parce qu'on pense que le gars était un trade. Je voulais avoir ton avis par rapport au transfert de Kevin Durant, ton impression, sa décision de rejoindre les Warriors. Toi aussi, tu trouves que c'est un. C'est une mauvaise décision ou bien tu approuves? Tu en penses quoi? Pour moi, c'est compliqué de mettre un jugement, hein, parce que je pense qu'il était quand même l'adversaire direct des Warriors durant toute la saison, au point où il a failli les éliminer déjà en compétition pendant les playoff finals. Après qu'il ait décidé de les rejoindre, je ne sais pas si tu veux trouver son move plus lâche que celui de LeBron James, mais je pense que c'est 50-50. Hein. En même temps, c'était une bonne décision, c'était une mauvaise décision, parce que il y a aussi le problème du leadership avec Westbrook déjà qui s'est dessiné depuis longtemps, c'est que ça n'allait pas tout le temps. Ouais. Et ouais. Oui, au sein de l'équipe, une équipe de basket, le basket se joue pas à deux. C'est pas comme on disait au moment donné, vous avez fait l'attaque, on dit à toi et à moi, ou bien après Westbrook a la balle, il décide de pas passer le ballon et tout. Non, après, je pense qu'il a rejoint un collectif. Parce que là, il a quitté une équipe d'individualité, il a rejoint un collectif quand même. Donc, je pense qu'à ce point-là, ça a été un bon move pour lui. Une bonne décision. C'est un bon move pour lui. Après, c'est une bonne décision. C'est une bonne décision. Ouais. Allez, on va enchaîner. Alors, le doc qui me fait signe qu'il vient d'arriver. Il va nous faire signe tout à l'heure. Allez, Aurélien, oui, Philippe. Non, c'est le Doc NP qui dit qu'il vient de Bac de la Santé, qu'il a entendu comment tu gueulais sur lui, d'où il vient. Ah, encore, fallait qu'il reste là-haut. Allez, on va enchaîner avec les news. J'avais diffusé une news concernant la disponibilité de Maurice Harkless. Il y avait de cela 25 minutes. Hein. Je viens d'avoir la nouvelle qui vient de tomber. Il semblerait qu'il a signé 4 ans. Il a re-signé un contrat de 4 ans avec Portland pour 40 millions de dollars. Mopao. Et 40 millions de dollars pour Maurice Harkless qui reste à Portland pour 4 ans. Pour 4 ans de plus, c'est un bon salaire. Mais c'est pas mauvais, vu qu'on commence, on a commencé à verser l'argent, qu'on continue. Allez, donc on va enchaîner avec la news qui vient de tomber. Alors, il s'agit du joueur Amare Stoudemire. Alors, Amare Stoudemire, il semblerait, vous me corrigez si je dis pas de bêtises, semblerait qu'il a rejoint les Knicks et qu'il va prendre sa retraite, c'est ça? Il a signé un jour après toi. Il a demandé qu'il veut quoi. Il a signé un jour après sa retraite, ouais. Mais ça, expliquez-moi ça. Ça veut dire quoi? C'est possible, c'est une façon légale de commencer ton contrat. C'est-à-dire que tu signes un jour et ça rend la légalité maintenant après ça. Tu signes un jour, comme tu as signé un mois, ça veut dire que tu signes la période terminée du contrat, c'est un jour et après, donc c'est un truc symbolique en fait. Ah, c'est juste symbolique quoi. Allez, donc on va annoncer donc la retraite de Amare Stoudemire, l'intérieur à Amare Stoudemire qui a fait les beaux jours des Phoenix Suns. Hein, Mofao? Ouais, mon frère, ça c'était la période, mon frère, la période avec, de avec, avec Steve Nash et, ouais. Et comment il s'appelle Stronghill, Carbosa, Raja Bell. Non, oui, Raja Bell, mais je pensais à l'autre. Sean Marion, The Matrix Man. Sean Marion, oui. Il avait un truc là, quand il avait un big tree là, hein. C'était le dunk, mon frère, ouais.
Mais qu'est-ce que c'est, d'après toi, qu'est-ce qui s'est passé avec Kamara? C'est le physique, c'est les blessures, parce qu'après après les Suns, il n'était plus le joueur que l'on avait connu. Parce qu'après les Suns, j'ai vu un documentaire sur lui. Il a beaucoup, parce qu'en fait, son diététicien le payait presque $1 million, hein, son diététicien. Et tu vas te rendre compte, tu es un peu son diététicien, cuisinier, il fait des coups, gars. Tu vas te rendre compte qu'en fait, il essayait de suivre un régime très, très supporté, gars. C'est pas facile. Son hygiène de vie, son éthique de vie n'était pas si supportée que cela, hein. Mmh. C'est un gars qui faisait aussi les, c'est un gars qui fait les folies. Donc, c'est parce qu'en fait, il ne passe pas constamment au New York, il ne fait pas tout vraiment les folies. Parce que si tu regardes, justement, quand il vient à New York, si tu regardes le documentaire, celui, tu vas te rendre compte que c'est un gars qui a fait flop de forward derrière. Donc, c'est un peu ça. Mmh. Et je vois que sûrement, le gars n'est pas mourir vite. Donc, toi, quel gars pense à s'arrêter si tôt. Donc, Amarès Stoudemire qui prend sa retraite. Edith Ambandu. Oui, le big. Quelques regrets ou pas pour le départ à la retraite de Amarès Stoudemire, l'ancien Tomahawk Man de Suns à une époque, l'époque du double MVP Nash. Hein, oui, bon, je me dis que ces blessures l'ont vraiment beaucoup dérangé dans sa carrière. Donc, il est temps pour lui de prendre du repos et de se consacrer à sa famille. Vous savez, dans sa famille, vraiment, c'est vraiment le seul qui ait pu s'en sortir. Hein. C'est-à-dire qu'il a des frères qui sont en prison. Une histoire difficile, hein, une histoire de famille. Et oui, il est le seul vraiment qui se soit calmé et puis a eu une carrière NBA sans même avoir le moindre bobo. Et tout. C'est vrai que bon, il y a eu des crises de millionnaires pendant un moment, mais bon, c'était vraiment pas grand chose comparé à ce que nous entendons souvent. Mais au moins, il était quand même, la plupart du temps, il était très, très posé, professionnel. Bon, maintenant, il va aller en retraite et bien mérité, un repos bien mérité. Voilà. Alors, le Doc ONP qui est en direct sur Radio Off Basket, le Doc. Le Doc. Papa. Tout ça, on ne va pas là. Le Doc ONP, tu es là? Oui, je suis là, papa. Attends un peu, mets un peu le plat là que tu vois sur la caméra. Je vois aussi ce que tu chopes. C'est quoi? Ça grésille un peu là. Je suis dans un dangereux poulet et de riz, là. Le Doc ONP qui est donc en direct sur Radio Off Basket. C'est vrai que ta connexion est un peu... je vois que l'image est un peu brouillée de ton côté. C'est à cause de l'omelette. Aurélien. Oui, Philippe. Il y a Mala qui est dans une dangereuse omelette là, il t'envoie une dédicace. Je risque même de raccrocher. Allez, on enchaîne avec les news. On va parler notamment de, on va parler du contrat de Tyronn Lue. Hein? Tyronn Lue, le coach Tyronn Lue qui a donc re-signé avec les Cavs pour 5 ans, $35 millions, une extension de contrat de 5 ans pour $35 millions. On rappelle qu'il n'avait jamais eu de contrat de ce genre pendant sa carrière. Alors, je vais poser la question à Edith Amandu. Edith, on va dire quoi? C'est un concours de circonstances, c'est l'horoscope, c'est quoi? Non, il a quand même montré de. C'est vrai que. Tu veux dire qu'il a réussi là où. David Blatt. David Blatt a échoué et c'est pour ça que ça lui vaut $35 millions pour 5 ans? Non, pas vraiment. Hein. C'est vrai que bon, on peut parler du leadership de LeBron James qui a beaucoup joué dans le retour du déficit de 3-1 et tout. Mais on peut bien remarquer qu'il y a vraiment eu une touche du coaching lors de cette finale. Le spécialiste du temps mort. Il a même mieux coaché que le coach of the year. Bon, maintenant, concernant la comparaison avec Coach Black, bon, moi je pense toujours que Coach Black coach mieux que lui. Ça, c'est ma parce que c'est ce que moi, d'après ce que moi je vois. Parce que Coach Black a beaucoup plus d'expérience et
Et il nous a montré lors de sans Kyrie et sans Love ce que les Cavs étaient capables de faire. Et à mon avis, même les Cavs auraient pu gagner cette finale, même sans ces deux joueurs. Donc, jusqu'à présent, Lou ne m'a pas encore convaincu, qu'il peut faire mieux que cela. Et tout, et tout. Mm-hmm. Donc, parce qu'on ne saurait jamais ce que Black aurait fait avec Love et Kyrie. Donc, on ne peut pas dire qu'il a fait mieux. Mais sinon, c'est un concours de circonstances, comme tu l'as dit. Hein. Il est tombé au bon moment et Il a décroché. Oui, un bon chanceux, il a décroché un bon contrat. Maintenant, on va voir maintenant quand LeBron James sera un peu plus vieillissant et tout. On va voir maintenant si vraiment il mérite cet argent. Alors, Mopao. Oui, madame. Toi, tu en penses quoi? C'est le... Bonsoir, Mopao. Salut, Yama. Bon, tu en penses quoi alors? Que c'est... Il est tellement fort qu'il mérite ce contrat ou c'est vraiment l'Anjaou? Ah, mais quand tu te rappelles, non, il était à la PO d'où on a travaillé. Tu vois, le player union a travaillé pour cela. Tout le monde est en train de bénéficier de cela. Les coachs, les jeans, beaucoup de parents sont en train de bénéficier des deux comptes en train de verser sur la table. Et moi, je pense que talent ou pas, il mérite d'avoir sa main dans le cookie jar, mon frère. Pourquoi on va payer les gars les 108 millions, on ne donne pas sa part, les gars 150 millions. Il mérite sa part, ça l'est. Qui est de talent ou pas, même s'il est juste un roleplay. Donc, on va dire que c'est un concours de circonstances lié au pactole que distribue l'NBA. Non, c'est en un ce concours moment. Lié à son âge, il est bon, c'est tout. C'est un bon âge. Qui s'est vendu, même la vieille mamie, c'est un peu ça. Un ton terrible. C'est un peu comme ça, on te dit quand tu as aujourd'hui à Mahon, on te dit qu'il est en train de jouer en Ouzbékistan ou en Tongchinikri, je ne sais pas où. On te dit quand on le paye, on ne le connaît même pas. Ah, tu dis que tu joues où? En Ouzbékistan ou ça, à Tongchinikri, je ne connais même pas. On te dit qu'on le paye 10 millions, ce n'est que normal, c'est la même chose. C'est un quartier de Bayangam, c'est quoi ça? Le doc. C'est un quartier de Bayangam. Le doc. Papa. Vas-y, comment t'as un peu l'affaire des 35 millions là? Argent des Illuminati que LeBron a bring là-bas, ça travaille. Mon ami, Tyronn Lue coach, il y a même plus d'argent que quand il était joueur, il a un salaire. Hey! Il a affaire là, 35 millions. Donc, il a même plus que Luc. Hey! C'est pour remercier le Joe, mais 5 ans. Ils ont voulu jouer aussi une marque de confiance. Je pense qu'ils vont essayer de m'imposer la confiance en leurs éléments principaux, à leur tronc d'arbre, le coach, LeBron, Irving. Voilà, ils vont essayer de rassurer tout le monde. Voilà, on a confiance, on va construire. Parce qu'il y a tellement de rumeurs et de trucs. Par exemple, pour Irving, j'ai même entendu une rumeur qui le ferait changer contre Westbrook ou quelque chose. À un moment, ça part dans tous les sens. Donc, je pense qu'eux, ils vont rassurer tout le monde en donnant l'argent. Ils disent, voilà, tu mérites ça. Voilà, tout le monde voit. Pensez, reste tranquille. Oui, voilà, je pense. Parce qu'en même temps, avec les dos qui sont là, si le gars aime l'année prochaine très mal, on ne va pas tout foutre sur lui. On va foutre sur le bon et sur lui. Et on va peut-être lui dire, gars, bouge. Prends tes dos, c'est pas grave, bouge avec. Tu as quand même eu la récompense de ton titre. Aurélien, c'est vraiment terrible. Oui, Philippe. Alors, pour toi, c'est amplement mérité ou c'est le Monopoly ou c'est comment? C'est le Django, c'est quoi? En fait, bon, comme mon père a dit tout à l'heure, comme la NBA a commencé le staff, ça y est, qu'on donne à tout le monde. Il faut même qu'on donne aussi pour le off. Donc, pour les lovers, ouais. Tu veux dire? Oui, voilà, c'est ça. Donc, je pense que c'est un peu dans cet élan-là que le coach lui a pu. Bon, bien sûr, aussi, il doit avoir un bon agent, hein, parce que même s'il était Phil Jackson, s'il n'avait pas un bon agent, ça aurait été problématique pour qu'il soit renouvelé. Bon, maintenant aussi, je pense que l'équipe va apporter de la stabilité et conserver un peu le groupe de l'année dernière. Donc, je pense que c'est aussi dans cet élan-là. Il va apporter toutes les garanties que tout le monde sera. Voilà, entendu, c'est ça. Quoi. Okay. Et le truc, comme Eddie a dit tout à l'heure, le coach David Black, c'est un très bon coach, un coach expérimenté. Peut-être pas
grosse expérience NBA, mais coaching, c'est un coach très expérimenté maintenant. La différence entre lui et Tyronn Lue, c'est que Tyronn Lue, c'est un gars qui il arrive à mettre de la poigne sur les... sur ses joueurs, quoi. Il a du caractère, c'est comment dire, il n'a pas ses joueurs, ses joueurs ne lui marchent pas sur la tête. Par contre, on voyait David Blatt, même pendant les temps morts, il tient d'être un peu quelqu'un de mou en quelque sorte, quoi. Donc je pense que on doit apporter cette différence de leadership là, et bien sûr il a su canaliser ses joueurs et leur faire comprendre que ok, on est là pour gagner, voilà, faites confiance à votre meilleur joueur qui est LeBron James, bien sûr, meilleur joueur du monde, faut que je le rappelle. Donc je pense que les Cavs ont voulu garder cet élan-là et c'est la raison pour laquelle ils ont jeté les comme ça chez lui. Ok, ok. Allez, on va... Mais Roger, je voulais juste souligner un point. Oui, Eddie, vas-y. Fait que, vas-y. Que le coach se fait marcher dessus. Bon, moi, je pense que tout va du fait que le leader même de l'équipe lui marchait dessus, donc ce qui fait que les autres l'ont suivi. Bon, maintenant, le leader a toujours voulu Tyronn Lue dès le départ. Donc, quand Tyronn Lue s'est installé, et voilà, les autres aussi ont suivi. Donc, je pense que tout commence par le leader. Si le leader respecte le coach, je pense pas que les joueurs vont lui marcher dessus. Donc, je pense que tout partait du comportement du leader envers le coach. Aurélien, tu réponds? C'est un toujours rapporté. Oui, oui. Bon, je pense aussi que, genre, je suis d'accord avec Eddie que les joueurs vont suivre leur leader et ça, ce n'est que normal. Mais maintenant aussi, c'est au coach de faire la part des choses et de pouvoir canaliser son groupe. Parce que c'est au coach d'imposer son respect au niveau du leader. Et maintenant, le leader, fait le travail dans le vestiaire. Comme on dit par exemple, le meneur, c'est toujours que le meneur, c'est le coach au terrain. Si le meneur n'a pas une bonne connexion avec le coach, le meneur ne pourra pas être productif sur le terrain, même si c'est Jason Kidd. Donc, il ne pourra pas faire appliquer, par exemple, le système du coach. C'est la même chose avec le leader d'un vestiaire. Si le coach a déjà créé cette connexion-là qui permet que le leader lui fasse totalement confiance, tout ce qu'il va faire dans le vestiaire, c'est dire « Hey, le coach Blatt a demandé qu'on fasse ceci, donc on va faire ceci et ça va marcher, faites-moi confiance. » Donc, je pense que, d'une part, c'était peut-être problématique au niveau de LeBron, mais c'est aussi problématique au niveau de Blatt parce qu'il n'a pas pu imposer ça. Mais Phil. Oui, le Phil. Don. Les gars peuvent tout me dire. Blatt n'avait pas Irving et Love. Ça aurait pu tout changer l'année dernière. Et cette année, on lui aurait donné ses 35 millions aussi. On n'aurait même jamais pensé à l'histoire de Tyronn Lue. Tyronn Lue finissait 4-1. Ce qui est mon score toujours que je garde moi personnellement, c'est que là actuellement on l'insulte même, on dit, rappelle-toi, on a commenté en direct la finale, les ajustements c'était compliqué pour eux, oui, les ajustements direct, c'était compliqué. Je pense qu'il y a eu un momentum juste cassé dans l'équipe parce que les autres n'ont plus joué pareil. On va pas me dire qu'ils sont devenus mouilleurs pour prendre 3-0 d'un coup. Ils n'ont plus joué pareil, ils ont perdu leur momentum et ils n'arrivaient plus à mettre leurs shoots. Les shoots qu'ils mettaient simplement. Et jusqu'au fond du banc, hein, parce que les Warriors eux-mêmes, c'est le banc qui les a sauvés sur les deux premiers matchs. Donc, tout était cassé. Pour moi, Lue, il a sa chance là, qu'il y a eu les circonstances, il gagne. Mais qu'est-ce qu'il a fait de plus que Blatt? Moi, je me hasse même. Qu'est-ce qu'il a fait de plus que Blatt? Blatt, l'année dernière, avait ce truc-ci. Blatt peut se lever et dire « Moi, si j'avais le Irving et l'autre, et surtout même Jefferson, qui n'était même pas là, qui est venu encore, il disait clairement « J'avais Irving et même Love qu'on a critiqué, qui prend 15 rebonds dans le game 7. Est-ce que ce n'est pas une clé du match aussi ?» Blatt ne les avait pas. Moi, je ne vois même pas ce que l'autre a mené vraiment techniquement. Il a failli se manger 4 points en finale. Là. Je ne sais pas trop. Avec en plus Love et Irving dans son équipe. Donc, il ne faut pas qu'on nous raconte des trucs. Il a gagné, c'est bien, c'est sa chance. C'est un concours si causant, on le remercie, prend tes dos. Mais tactiquement, il ne peut rien apprendre à Blatt. Il ne peut rien. Blatt, c'est un problème d'intégration NBA peut-être. Mais dans le basketball pur, il ne peut rien apprendre à Blatt, Lue. C'est un ton gris. Allez, on va enchaîner. On va enchaîner avec une petite news qui concerne ta ville, Aurélien. Aurélien. Oui, Philippe. Oui, Philippe. On se déplace du côté de chez toi, là, du côté de Sacramento.
pour parler de la décision des Kings de Sacramento, dans le front office de Sacramento, qui a décidé de nommer une rue à l'extérieur de l'aréna de Sacramento au nom de David Stern. Bon, je ne sais pas si ça va les aider à avoir un meilleur rendement lors de la saison. Mais bon, c'est tout à leur honneur. C'est tout à leur honneur. C'est juste pour remercier. Ils ont déplacé le comment dire, l'aréna. C'est une nouvelle aréna qu'ils vont inaugurer en septembre. Donc, bon, on va voir ce que ça donne. On va voir. Bon, je suis pas vraiment confiant, mais bon, s'il y a les tickets gratuits pour les matchs qu'on me dise, je pars. Je ne pense pas qu'un tel truc puisse avoir lieu à Los Angeles. Ah oui, tu parles du nom de... Le nom de David quoi Stern. De... Je ne pense pas que ça puisse avoir lieu un jour. Ok, on va enchaîner avec une petite news concernant Anderson Varejão. Alors, Anderson Varejão, normalement, il devrait rejoindre l'équipe nationale du Brésil hein, pour les Jeux Olympiques, mais avec sa blessure, il semblerait qu'il a une blessure au dos. Et donc, cette blessure au dos va l'empêcher de rejoindre donc l'équipe nationale du Brésil pour les Jeux Olympique, donc Anderson Varejão qui sera absent pendant ces Jeux. Allez, on va parler un peu politique, hein, Vous savez que MJ a parlé, hein, concernant les tueries aux États-Unis, hein, mon Pao. Alors, oui, mon homme. Alors, je vais lire les déclarations de MJ parce que bon, il y a ceux qui n'ont pas suivi. Ce qu'a dit Michael Jordan concernant les tueries récentes encore aux États-Unis. Alors, Michael Jordan, je vais lire ses déclarations et bien entendu, je vais vous laisser réagir. Il y a beaucoup de gens qui ont été déçus d'entendre MJ, d'autres qui étaient plutôt contents et j'aimerais avoir votre avis à tous. Alors, c'est pas du basket, mais ça fait quand même partie de l'actualité du monde. Alors MJ, il a dit, en tant qu'Américain fier, en tant que père qui a perdu son propre père dans un acte insensé de violence, et en tant qu'homme noir, je suis profondément troublé par la mort d'Afro-Américains aux mains des forces de l'ordre et en colère face aux lâches et haineux officiers de police qui les prennent pour cible. Je pleure avec les familles qui ont perdu leurs êtres chers. Je ne connais que trop bien leur douleur, même si je sais que ces contributions ne suffiront pas à elles seules à résoudre le problème. J'espère que les ressources aideront ces deux organisations à produire une différence positive. Ces trois dernières décennies, j'ai pu constater le dévouement des représentants de la loi qui me protège, moi et ma famille. J'ai le plus grand respect pour leurs sacrifices et leurs services. Je reconnais également que pour beaucoup de personnes de couleur, leur expérience avec les forces de police ont été différentes de la mienne. J'ai décidé de parler dans l'espoir que nous pouvons tous nous rassembler en tant qu'Américains et à travers un dialogue de paix et l'éducation pour atteindre un changement constructif. J'ai été élevé par deux parents qui m'ont appris l'amour et le respect des gens, quel que soit leur race ou leur passé. Je suis donc attristé et frustré par les divisions et les tensions raciales qui semblent empirer dernièrement. Je sais que ce pays vaut mieux que ça et je ne peux plus me taire. Nous devons trouver des solutions pour assurer aux personnes de couleur un traitement juste, égal, et que les policiers et que les officiers de police qui mettent leur vie en jeu, soient respectés et soutenus. Nous avons la chance de vivre dans le meilleur pays du monde, un pays qui a fourni à ma famille les plus grandes opportunités. Les problèmes auxquels nous faisons face ne sont pas apparus du jour au lendemain et ne seront pas résolus demain. Mais si nous travaillons tous ensemble, nous pouvons favoriser une meilleure compréhension, un changement positif et créer un monde plus en paix pour nous, nos enfants, nos familles et nos communautés. Alors, je voudrais faire réagir Eddie Tamandu. Eddie! Oui, le big.
Alors, Michael Jordan qui il tend la main des deux côtés et il ne prend parti pour aucun camp. On a l'impression dans son discours. Alors, je te fais réagir. Pourquoi ? Parce qu'il y a un internaute sur le off qui était très énervé, très en colère contre MJ. Et il disait notamment que Michael Jordan aurait mieux fait de se taire et qu'il faisait ça uniquement pour vendre ses chaussures. Alors toi, tu en penses quoi? Bon, on ne connaîtra jamais assez les motifs des uns qui poussent les uns les autres à s'exprimer publiquement. Ouais. On rappelle que Michael Jordan ne s'est pratiquement jamais exprimé sur des faits de société. C'est quand même, on peut le dire, non? Ouais, bien sûr, il a toujours évité de... En fait, tout part du fait de... Dans sa carrière, il a eu beaucoup de problèmes avec les médias pendant sa carrière. Donc, ce qui fait qu'il ne voulait plus s'exprimer, quoi. Parce qu'il a compris que les médias se foutaient pas mal de ce qu'il pensait. De sa... on cherche ce qu'il va vendre. Donc, c'est pour ça qu'il s'est calmé. Les gens ne connaissent pas l'histoire de Michael Jordan au niveau des médias. Bon, on va passer là-dessus. Mais sinon, ce que je peux dire, c'est que... Il a dit ce qu'il avait à dire et il a bien, pour moi, c'était une bonne chose de ne pas prendre parti. C'est un discours policé. Je dirais que c'est une bonne chose de ne pas prendre parti parce que, certes, la police a clairement des préjugés ou c'est pas trop vis-à-vis des Noirs, mais aussi, il faut aussi voir que même la communauté noire est aussi la plus résistante face aux forces de l'ordre et de loin. Il dit bien « et de loin ». C'est-à-dire que si la police... Tu veux dire si que la communauté noire, c'est celle qui résiste le plus quand on fait les contrôles, quoi. C'est-à-dire que la communauté noire américaine, c'est celle qui est la plus résistante. Donc bien même avant qu'on les coups de feu, les tueries et tout ça, elle a toujours été comme ça. C'est-à-dire que si la police interpelle un noir, c'est-à-dire la probabilité qu'il se soumette à la police est très faible. Ils vont toujours chercher à faire quelque chose, à réagir, à dire non. Si la police, le policier veut lui mettre les menottes, il va toujours dire non. Bref, il va toujours résister. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, ça donne une raison à ces policiers de tirer sur eux. Et par exemple, j'ai eu un tweet avec un noir américain sur ce sujet. Déjà, lui, il a admis, mais il a dit que ça n'empêche. Lui-même, il a admis que la communauté noire américaine oppose l'ordre. Et en même temps, ils étaient même si c'est que tu te calmes, ils vont toujours tirer. Je lui ai demandé de me montrer une seule vidéo d'un noir américain qui était calme pendant tout le moment, pendant toute la scène. Et on a toujours tiré sur lui, c'est ce qu'il est bon. Une seule vidéo, il n'a pas pu. Il n'a pas pu me montrer une seule vidéo où un noir était calme, il a levé les mains tout le temps. On dit il lève les mains, couche-toi, il se couche. Sans parler, sans rien dire, et voilà. Et on a tiré quand même sur ce moment, même pas une seule. Donc, ce qui fait que j'apprécie le fait que Michael Jordan n'ait pas pris, soit impartial sur le sujet. Et voilà, on espère que les choses vont s'améliorer. Le doc, tu voulais réagir? Non, je disais qu'il a raison. C'est automatique, c'est rare. En tout cas, nous, de ce qu'on voit dans les images, il y a beaucoup. Trop, et je suis pas, nous, à distance, on n'est pas les seuls, puisque il y a même Chris Rock qui avait fait un sketch sur ça, en disant au noir. Mais déjà, les gars, dès que tu vois la police, on te dit octempère, parce que tu sais que tu vas lui donner une raison de jouer avec ta vie. Il a même fait un sketch sur ça, mais je pense qu'il y a ce côté rebelle qui fait que, la majeure partie, dès qu'on leur dit les mains derrière le dos. Et le pire, c'est qu'il y a d'autres images. Hein. Moi, j'ai vu en France ici, même aux États-Unis, des gens qui ne sont pas noirs, quand ils font les durs, ils se font aussi taper les pieds à la matraque par ces mecs-là, par la police. Peut-être pas de la même façon, parce qu'il y a une inégalité réelle, il ne faut pas se cacher les choses. Mais ils se font aussi taper. Il y a une image qui a tourné ici, une vieille femme qui était dans un... qui mettait des barrières là où les policiers revêtaient. Une vieille femme, hein, je pense qu'elle avait plus de 65 ans. Les mecs, ils l'ont dégagée hein, à coups de matraque. Elle était au sol, il la tirait comme un papier. Et c'était une femme blanche. Et le truc, c'est que ça va moins passer parce qu'il y en a moins comme ça. Mais aussi, ça veut dire qu'il y a aussi moins de personnes qui
résiste peut-être dans les autres. Mais nous, forcément, on a ce truc-là, et surtout peut-être aux États-Unis, je ne connais pas trop par rapport aux autres, mais beaucoup en parlent même chez certaines personnalités américaines qui disent à leurs frères, les gars, même s'ils ont tort, on te dit, mets les mains dans le dos. Comme je ne sais pas si vous avez vu l'image de la femme policière qui disait à un jeune qui roulait sur le trottoir à vélo, je veux juste tes papiers. Je veux tes papiers. Le mec ne veut pas, au lieu de dire, je ne les ai pas, madame. Et tu les veux pas. Pourquoi tu les veux? Fuck you, pourquoi tu les veux, machin truc. Mais elle a appelé du renfort, ils l'ont balayé. On te demande tes papiers, tu dis, je n'ai pas, c'est chez moi, allons chez moi. Pourquoi tu commences à faire la force? Et l'autre film en disant, moi, ça va, pourquoi est-ce qu'on l'interpelle? Moi, je trouve que c'est... Et Jordan, à ce propos-là, c'est une personnalité. Franchement, dans les 10 personnalités aux États-Unis, il y a forcément Michael Jordan à un moment donné. Comment aller dire... Il y a une partie business, mais il y a aussi une partie sensée. Hein. Moi-même, je me vois mal aller dire aux petits jeunes, résister. Je l'envoie à la mort. Je sais que il va se faire taser, il va se faire balayer, il va se faire allumer, il peut avoir un accident cardiovasculaire ou je sais pas quoi. Je préfère dire des deux côtés, je suis choqué que mes frères meurent, mais de l'autre côté, il faudrait qu'on donne plus d'éléments à la police pour que tout ça n'arrive pas. Qu'est-ce que les gens veulent qu'ils disent? Qu'ils se lèvent avec un bandeau noir et qu'ils marchent? Dimitri, tu as envie de réagir? Et j'ai envie de réagir pour dire Jordan, Michael Jordan, il a parlé, il est resté dans, je vais dire ça comment, il a parlé, mais il a évité de prendre une position, parce qu'il a parlé pour dénoncer, pour dire que ce qui se passe n'est pas normal, et en même temps, il a essayé de ne pas accuser les policiers, tout en disant que ce qui se passe n'est pas normal, parce que c'est une communauté qui est ciblée, carrément. Parce qu'on va pas dire que oui, les noirs ne tempèrent pas, les noirs ne... Ça, il faut pas le nier, ce sont les gars qui se font plus contrôler. Je sais que même en France, ça se passe comme ça, même au contrôle de faciès. Il y a les gars qui se font contrôler plus d'une fois dans la journée. On va plus contrôler les noirs qu'on contrôle les blancs. Ça, c'est un truc qu'il faut pas nier. Après, il faudrait pas que les policiers aient une manière, je vais pas dire aient une manière, ça donne pas une illusion. En Angleterre aussi, on le vit ça, Dimitri. C'est pas en Angleterre aussi. Je dis en Angleterre aussi, on le vit ça. Même en Angleterre. C'est... Mais ici, c'est pas très visible quand même, Philippe. C'est pas très visible. Mais ce que je voudrais dire, c'est que après, ça ne donne pas pour une raison légitime à un policier de tirer sur quelqu'un pour la tirer à bout portant, ouais. De tirer à bout portant. C'est ça que Michael Jordan dénonce. Le fait d'employer une arme létale comme ça sur quelqu'un, quand même, c'est quand même une vie. Donc, après, il a adopté. Moi, j'ai aimé, il a parlé avec beaucoup de courage parce que on sait ce qu'il est. Bon, après, il pourrait parler comme ça. Les blancs décident de payer puis acheter ses chaussures. C'est plus des blancs qui achètent plus ses chaussures. Ouais. Mais il a parlé, il a essayé de ne pas adopter une position, mais il a dénoncé. Il a donné des fonds pour dire, regarde, voilà, ouais, je donne 2 millions de dollars. C'était une bonne chose alors quand même qu'il parle. C'était une très bonne chose. Il a donné 2 millions de dollars pour dire, essayons de travailler ensemble. Il n'a pas dit je travaille juste avec les Noirs, il a dit travaillons ensemble pour pouvoir améliorer les choses. Moi, je pense que son geste était très bon. Et voilà. Quoi. Okay. Allez, tu fiasques que quoi, le doc? C'est moi qui fiasse, mon frère. Vas-y, c'est toi, alors. Non, c'est moi, j'aime bien. Assume-toi, mon pauvre. Vas-y, assume-toi. Michael Jordan, c'est un blanc dans la peau noire. De voilà. Deux, mieux vaut tard que jamais, c'est bien beau. Il s'est réveillé enfin aujourd'hui pour parler de l'aspect de droit. Tu viens parler, c'est 1 million, 2 millions de dollars que tu proposes. 2 millions de dollars, c'est quoi par rapport à la fortune? Tu es un millionnaire. Ah, c'est une insulte au mouvement. Il a donné ce qu'il a. C'est quelqu'un qui l'aide à voir ça. Tu dis que tu vas donner, ce que tu as donné, c'est quoi, comparément à ceux qui sont dans la rue chaque jour? On a vu des gars qui voice of every single day. Hein? Je n'ai pas envie de parler. Si j'ai dit LeBron James, on va dire que je parle LeBron James chaque jour. Si je parle de Dwayne, on va dire que Dwayne. Non, ce sont des gars qui voice of every single day. Ce n'est pas, de l'air pas aujourd'hui, tu commences à dire, je vais de l'argent, ne résout pas le problème. You need to stand and take a side. C'est le truc.
I can breathe movement. Quand on dit que je ne peux pas respirer, quand on a tué l'autre gars, beaucoup de gars NBA sont levés, ils ont fabriqué des t-shirts avec les wristbands. Ils ont pris en ça. Ne viens pas, tu viens jouer au politicien. Il a dit un jour, ça n'a peut-être prouvé. Il a dit que son brand est mieux payé par les white person que les personnes noires. Mais c'était dit qu'il arrête de vouloir faire. Ce n'est pas la politique, c'est un mieux tard que jamais. Il n'est pas différent. C'est des gars qui viennent aujourd'hui, font la politique. Il est dépassé, c'est très simple. Gars, arrêtez, laissez. C'était Eddie Ali, c'est bien vrai. Les noirs résistent toujours. C'est parce qu'en fait, ils sont bêtes, le système, mon frère. Tu vas te rendre compte, il y a des quartiers où tu ne peux pas te promener avec certaines couleurs. Parce qu'on te dit que gars, c'est la couleur du gang qui rend le nez. Si tu marches avec la mauvaise couleur, quand on va te mettre toi, c'est qui? Si tu ne trouves pas le DD, Saint, le Blood, ou whatever, on va te dire, mais toi, c'est qui? En fait, quoi, tu as bon, la couleur, on va te dire, c'est un peu ça, c'est le thé. Mais qui ne se lève pas et qui ne speak to a man who's real? Parce qu'en fait, on le sait, il y a le privilège d'être blanc ou d'être noir. Parce qu'on a vu comment on arrête un gars qui est blanc ou un arrête qui est noir. C'est bien vrai, mais c'est aussi vrai. Quand on peut demander que, gars, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas résisté la reste, c'est bien vrai, mais on le sait déjà pertinemment. Le nombre de meurtres sur le noir et le blanc, c'est là, il y a le pourcentage. C'est là, évidemment, ce n'est même pas. Il y a Google, ce n'est plus le temps où on regarde les journaux, où c'est CIA TV dernier, ou c'est Cameroun Tribune qui nous dit les rues qu'on va lire. Non. Jordan prend un ça, ne viens pas, tu dis que tu as mis 1 ou 2 pauvres millions de dollars. Les gars, chaque année, les 30, 40 millions de dollars, ils versent chaque jour de l'extérieur. Ils mettent les sportifs. Et on avait le bon Dieu parti de le Girls Ball Club, il est vraiment investi. Parce qu'il est investi dans la vie des enfants qui ont perdu les parents, qui ont les parents indiens, qui ont les gars qui ne peuvent pas payer pour go college. Il est investi dans leur vie. Et c'est le plus beau côté. C'est un peu ça le truc. Ne prends pas un ça, tu te lèves, tu piques. C'est un big issue. Ce n'est pas un issue de venir seulement dire que je suis Mike Jordan et prendre Cameron Anthony le maître parce qu'il te représente du work. Mike Jordan, gars, laissez ça, mon frère. C'est la politique. Qu'il est tout son film là. C'est un gros film. Que Mike Jordan fait le théâtre. Qu'il est tout son théâtre là. Le théâtre de Michael Jordan pour Mopao. Allez, on va enchaîner, sauf s'il y a quelqu'un qui veut réagir encore sur cette petite news. Allez, pas de réaction, on est parti avec du côté de Miami. Je voulais faire réagir le Doc One P, le Doc. Le Doc One P, tu es là? Ouais, mais ça grésille beaucoup, parfois je sais même pas que c'est moi que... Oui, là tu m'entends? Je crois que ça grésille beaucoup. Là tu m'entends? Là tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Et toi, c'est bon là? Ouais, ça grésille un petit peu, mais bon, j'ai réussi à écouter en partie, c'est comme Opo a dit. Comme je dis, moi je parle avec un regard très lointain et les faits divers. Donc ceux qui ont vécu tout ça, je peux comprendre qu'ils s'y connaissent mieux. Mais moi, je disais juste par rapport à Jordan, il y a certains qui parlent peu, mais on ne sait pas ce qu'ils agissent. Ces fondations et tout le reste, on ne sait pas du tout ce qu'il fait. Il y en a qui ont besoin de montrer peut-être, j'en sais rien, ou bien c'est les médias qui montrent, hein. Peut-être que lui, on n'a pas... J'en sais rien du tout. Là, il a déclaré, je ne sais pas, il a rajouté les 1 million, 2 millions. Ça se dit, il n'aurait pas dû dire ça. Mais ça se dit, depuis, il fait des choses aussi pour des jeunes, machin, truc, blablabla. Il a peut-être la chance qu'à travers la marque Jordan, parfois c'est même la marque qui fait pour lui, il est assis, il a son cul posé. Qu'est-ce que j'en sais? Mais au moins, la marque le fait à travers son nom. Ce que d'autres stars ou je sais pas, on n'a pas avec d'autres. Mais je trouve que c'est très délicat pour un businessman ou une personnalité comme ça. Parce qu'il est dans la Matrix. Hein. Il est dans la Matrix, ça, on le sait, il est dans la Matrix. De se lever et de... Il faut vraiment... Je prends l'exemple de Zinedine Zidane ici. Zidane ici, tout le monde se pose la question pourquoi il ne prend jamais part, pourquoi il ne parle pas. Mmh. Il est dans la Matrix, il ne peut pas se lever. Il a parlé un peu pour les histoires d'Algérie, au match Algérie-France et tout, les émeutes et tout, mais il ne peut pas aller plus. Parce que c'est aussi dangereux pour un mec comme ça qui est capable de dire à quelqu'un, va tuer la personne, va tuer. De dire n'importe quoi, interpréter différemment. Il est capable de dire, oui, il faut résister, c'est pas bien ce qu'on fait au noir, ça doit s'arrêter. Et quelqu'un dans le quartier dit, Jordan a dit, donc moi, je vais résister, j'ai mon arme, maintenant, je vais... On ne sait pas. Donc, je dis, tu vois, c'est toujours délicat. Après, je ne suis même pas trop Jordan, hein, pour vous dire, moi, voilà, ce qu'il fait. Je ne suis pas trop ce qu'il fait, mais j'interviens juste par rapport à ce qu'il a dit, là. Oui. Non, je ne te coupe pas, je tente de couper.
Il dit qu'il voit ça pour il ne pique pas de ça, c'est normal. Quand que les athlètes sont en train de négocier, qu'on rabaisse les prix des tennis auprès de Nike, Jordan n'a jamais voulu rabaisser les prix de ses baskets. Hein. Parce qu'il a dit qu'il s'en fout des négros. Ils vont s'aligner en rang pour payer ses tennis. Un gars va pas essayer son paycheck de $500 ou $100 qu'il a fait pour payer une Jordan à $300, $280. Il fait du business, il fait pas de la charité. Mais non, mais ce que je veux dire, tout ça, c'est comme Nike. Il ne fait pas la charité. Dans LeBron, il ne fait pas aussi la charité. Ce que je veux dire, c'est que quel autre joueur a dit qu'on baisse pour sa chaussure? À un moment, avant que Kevin Durant, quand on augmente la nouvelle paire, Kevin Durant à $120, il était à... $80. Il a demandé qu'en fait, c'est en fin de la qualité, en fonction de la qualité. À moins si vous voulez parler payer les chaussures de Stephen Curry. Parce qu'en fait, je le dis là-bas, on ne considère pas, c'est pas un problème. 120, ans, c'est encore affordable. Mais gars, s'il te plaît, quand Jordan tourne ses retours, les gars sont en ligne 2 jours avant de buy and win, mon frère. Les gars sont en train de payer 300 gars, se tuent dans la rue pour, pour une paire de tennis, c'est qui Michael Jordan. Gars. Ne vous tarde jamais, mais tout cela, ça pour dire qu'il ne va pas. Qui vient, il prend ça. Qui ne vient pas dire que je suis au milieu. Qui pique un côté. C'est un gars du système, en tout cas. Mm. Il investit dans les prisons chaque jour. C'est un gars du système. Gars, tu comprends Michael Jordan. À la fin de la journée, c'est le film, mon frère. C'est le long métrage, c'est Hollywood. Dimitri, tu nous entends? Mais là, je vous entends, oui. Ah, je crois que tu avais quelques petits soucis avec ta connexion. Allez, on va enchaîner avec les news. Encore quelques news avant de vous écouter sur Team USA, sur la story Team USA. Alors, on va un peu parler. Je voulais faire réagir le Doc NP. Le Doc, tu m'entends? Oui. Alors, je te parle d'une news. Hein. On va aller du côté de Miami. On va du côté de Miami. Pourquoi? Parce qu'il y a le jeune Tyler Johnson. Tyler Johnson qui a signé, il a signé après avoir joué du côté des Nets, il a reçu une offre du Miami, une offre de $50 millions sur 4 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et d'après ce que je vois sur ma news, il a failli perdre connaissance. Hein, on va dire ça comme ça. Le gars va vomir. Il a vomi, voilà. Il a vomi quand il a entendu la proposition de contrat. Alors, le Doc NP... Tyler Johnson, il a dit que... il a vomi et ça lui a pris quelques temps avant de réaliser qu'il avait bien entendu le chiffre de $50 millions sur 4 ans. Alors, on rappelle hein, que depuis cette saison... pour la saison prochaine, on rappelle qu'il y a un pactole qui est en train de pleuvoir hein, sur tous les contrats de la Grande Ligue. Je vais rappeler les stats de Tyler Johnson. 8 points, 3 rebonds, 2 passes décisives. Alors, le Doc NP, réagis un peu sur... Non, ma première réaction d'abord, parce que j'en ai peut-être 2 ou 3, et ma première réaction rapidement, c'est d'abord que heureusement qu'il y a encore des joueurs qui Wanda encore, parce que il y en a encore qui savent la valeur de l'argent, parce que les sommes trop observateurs sont assis calmement. Lui, il y en a encore qui, ça veut dire que heureusement, tu veux dire qu'il y en a qui ont perdu les réalités, quoi. Oui, il y en a qui ont perdu totalement, parce que parce qu'il y en a qui de façon incrédule se lèvent, demandent des 20 millions par saison. Pour eux, c'est normal. Après, c'est des bons. Mais lui-même, on parle de 50 bâtons, mon là. C'est-à-dire que le gars lui-même, il a pensé à sa famille, ses nièces, ses cousines, ou je ne sais pas où il a grandi. Lui-même, il s'est dit. Là, t'as gagné son basket, même. Là, me regarde son basket, il joue. Mon gars, quand il est né lui-même, quand il jouait le basket, le plus jeune. Est-ce que lui-même il a dû penser à tout ça et dit que hey, on parle de 50 bâtons. C'est-à-dire que là, Phil, ouais. C'est-à-dire que on se louait comme ça et que par rapport à un travail d'amont que peut-être Mo pourra plus faire, peut-être que NBA.com vient te dire là que pour la radio aussi, faut que ça représente l'Afrique là, mais on n'a qu'un budget de 1 million annuel pour vous. Est-ce que tu vas pas gérer mon frère? Je veux pas, mon frère. 1 million $1 million. Est-ce que je vais dire que je m'appelle Phil, laisse-moi signer d'abord.
N'est-ce pas? Mais eux-mêmes, c'est-à-dire que tu as encore la relation, une relation avec l'argent, c'est-à-dire que tu réalises les choses, etc. Ouais, ouais. Les gars, nous, mais problème, moi j'ai bien ici là que c'est quoi ça, c'est ta... Mais pour eux, ce sera que bon, c'est normal, l'argent coule pour l'Afrique, on peut prendre une radio qui va nous machin. Donc, c'est ma première réaction au pareil. Je me suis dit ouf. Après, bon, ça va faire là, mais j'ai dit ouf parce que le petit, là, il ne vient pas d'une famille peut-être riche et maintenant c'est bien pour sa famille, mais au moins il avoue qu'il est Rwanda. C'est là le premier que je dis que je vois depuis là, qui dit hé, hey, c'est quoi ça? Maintenant, de l'autre côté, la deuxième réaction que j'ai eue, c'est que je me suis dit, au final, avec ces stats que tu viens de nous commenter là, qu'est-ce qu'il a, ces 8,7 points? Qu'est-ce qu'il a? Surtout qu'il a été un bon bac du meneur titulaire, là, le gauchier, celui qui vient de Phoenix là. Même j'ai oublié, forget son nom. Quelqu'un peut rappeler son nom là, pardon. Celui qui est à Miami, celui qui a aussi eu un gros pactole même pour venir à Miami. Oui, le blanc là, Dragic. Le blanc là, oui, Dragic, oui. Oui, voilà. Moi, j'ai vu Tyler Johnson. Et je me dis, je reviens tout toujours. Tout de suite après avoir signé son contrat, Dragic, il a acheté une grosse baraque là, du côté avec piscine et tout. S'est installé. Oui, voilà, tu vois. Et Goran Dragic, lui, je pense qu'il est dans les 15 trucs ou peut-être qu'il va être augmenté là. Mais je compare maintenant aux autres qui ont signé. Le gars, lui, Wanda, sur lui. Mais quand on va lui dire qu'il y a des joueurs qui ont moins de 8 points, qui ont même des 5 points, mais comme ils ont pris 4 rebonds et quelque chose, qui sont montés à 18 millions, 15 millions. Je n'ai rien contre Bismack. Hein. On peut penser que j'ai un PB avec Biombo, mais je suis plutôt content quand un Africain. Mais il y a eu des salaires que je n'ai pas compris. Il y a eu des salaires que je n'ai pas compris. Que quelqu'un qui a fait 7 points, 7 points, 5 rebonds, on dit, gars, toi tu vaux 17 millions. On dit, mais... C'est pour dire, le petit là doit aussi réaliser qu'il les vaut. J'ai vu Polo nous faire un truc l'autre jour, heureusement qu'il n'est même pas là, mettre le nouveau salaire de CJ McCollum, 106 millions sur 4 ans, et dire, il les vaut, il les mérite. Je me suis dit à un moment donné que même Polo a perdu la raison. Bon, on rappelle quand même que CJ est quand même le meilleur sixième homme. C'est lui, mais non, c'est pas lui. Si, c'est le MIP. C'est le MIP en tout. MIP, oui, le MIP de la saison dernière. Oui, mais Phil, oui. Millions, hein, c'est ça. Hein. On parle de 27 millions par an, 27,5 millions, et garanti. Lui, il n'y a pas de condition. Ça va toucher son compte. Ce n'est pas. 27,5 millions. Mais quand je vois, il y a encore 4 ans, quand Kobe touchait 24 millions, tout le monde criait. On parle quand même de Hall of Famer et quelqu'un qui est cité dans les gouttes. Mais ouais, maintenant, l'argent donne 150 millions à Conley. Mais bon, c'est bien pour eux. Hein. Franchement, moi, je suis content pour certains joueurs. Je suis content pour eux, mais c'est quand même hallucinant. Allez, on va enchaîner. On va aller du côté de Casey. Ouais. On va terminer avec cette news avant d'enchaîner sur le petit débat de ce soir. On va faire le point sur OKC et Russell Westbrook. D'ailleurs, c'est sur cette affiche qu'on a, sur ce dossier qu'on a réalisé l'affiche de l'émission de ce soir. Russell Westbrook, je veux rester à OKC. Alors, on va d'abord commencer avant d'attaquer le dossier Russell Westbrook. J'aimerais parler. Eddie, tu m'entends là? Tu es là? Eddie? Eddie, est-ce que tu es là? Allô, quelqu'un m'appelle? Oui, tu m'entends, oui, je t'appelle là, tu m'entends? Je t'entends, mais après, c'est un peu coupé là, donc c'est pas d'accord. Très clair. Ah, ça va revenir. Je parlais du dossier OKC, OKC et Kevin Durant. Je voulais préciser une news concernant les ventes de maillots de Kevin Durant, les ventes de son nouveau maillot, hein. Donc, on va rappeler que s'il y a beaucoup de critiques, il y a eu beaucoup de critiques à l'annonce de la décision de Kevin Durant de rejoindre les Warriors. Apparemment, il y a également énormément qui sont heureux de cette signature, à en juger les ventes du nouveau maillot
de Kevin Durant. ESPN rapporte que le maillot de Kevin Durant est le plus vendu au mois de juillet chez Fanatics, partenaire officiel de la NBA. Et le maillot s'est même plus vendu la première semaine que celui de LeBron James lors de la semaine suivant son retour aux Cavs. Il est à noter que KD est le leader des ventes dans 30 États, dont Oklahoma City, ce qui est plutôt surprenant compte tenu des circonstances. Alors, Eddie, oui, je voulais te faire réagir parce qu'on parlait de son maillot d'OKC qui se vend à 50 cents. Mais le maillot, le nouveau maillot de Golden State est le maillot le plus vendu hein, du côté d'OKC. C'est assez surprenant, non, Eddie? Alors, on va passer la parole au Doc tout à l'heure. Doc est un peu épuré. Eddie. Oui, je t'écoute. Alors, les ventes records du maillot de Kevin Durant à OKC, tu expliques ça comment? Ok, je comprends. Je comprends pourquoi. Non, mais Kevin Durant, quand même, c'est... C'est quand même Kevin Durant, si quoi. Si on a fait le classement des meilleurs... Quand je fais mon classement des meilleurs joueurs du monde, je mets LeBron James en premier, je le mets en deuxième. Hein. Mm. Pour moi, il est le deuxième meilleur joueur du monde. Il mérite amplement toutes ses ventes et tout. C'est un record, ouais. Donc, moi, ce n'est pas surprenant. Vas-y. Non, je voulais dire qu'on dit que derrière les larmes et les pleurs de beaucoup de fans, on peut dire qu'il y a une majorité qui continue à l'adorer, quoi. Non, mais tu sais, surtout que c'était vraiment inattendu, hein. Le GM de Myers, là, le GM de Golden State, il dit qu'il n'a pas cru jusqu'à ce qu'il a vu comment Kevin Durant a signé sur le papier. Donc, quand Kevin Durant l'a appelé pour dire que c'est bon, lui, il a dit que non, tant que tu n'as pas signé, là, moi, je ne suis pas convaincu parce que ce n'était pas vraiment... Il voulait de lui, mais il n'était pas sûr qu'il allait venir. Donc, ça a vraiment choqué les fans de Golden State. Ouais. Et ça fait beaucoup de monde et vraiment il n'y a que de la joie, surtout pour le CHL qui va venir en France l'année prochaine. Le Doc, toi tu l'as pourquoi? Non, c'est que je cherche Patrice Dieka, il faut que je lui. Dieka est atteint, mon frère, il est touché par cette affaire. N'est-ce pas? Je pense que il a développé une haine que plus personne ne comprend. Je pense que Dieka est plus touché que moi-même quand LeBron a quitté Cleveland pour Miami. Dieka est touché, mon frère. Je vais lui montrer ça. Je vais lui dire que a priori, même à OKC, les gars baillent les maillots du gars. Allez, on va enchaîner avec le dossier. Oui, le doc, vas-y. Petite parenthèse, ça commence un petit peu à montrer... Parce qu'on s'est posé la question de qui sera le boss l'année prochaine dans cette équipe. Ça commence à montrer, parce qu'il y a certains que j'ai lus, j'ai le truc, je respecte le double MVP et tout, mais quand on dit boss, on ne regarde pas que ce qui s'est passé les deux dernières années, on regarde ce qu'un joueur représente, ce que quand un joueur arrive dans un secteur, il pose son cul, ce que ça représente. Au fur et à mesure, les gens vont voir qui sera le boss dans cette équipe. Et ça commence déjà petit à petit. C'est clair. Allez, on va donc enchaîner avec le dossier, le petit dossier sur Russell Westbrook. Eddie, tu m'écoutes, hein, tu vas me confirmer certaines révélations. Alors, Russell Westbrook, il semblerait qu'il veut vraiment se venger, littéralement, on va dire ça comme ça, se venger de son pote Kevin Durant sur le parquet la saison prochaine avec les Thunders. Donc ici, on va rappeler que depuis le départ aux Warriors de Kevin Durant, Russell Westbrook reste très silencieux et il faudra sans doute attendre le training camp pour l'écouter. Toutefois, si on en croit ESPN, il serait en colère et très très blessé, pas seulement de la décision de Kevin Durant de partir, mais aussi parce que ce dernier ne lui aurait pas annoncé en personne son choix. On rappelle qu'on a écouté les déclarations de Kevin Durant qui avait révélé lors de son passage à Golden State, qu'il aurait discuté avec Russell Westbrook au téléphone. Il semblerait que ce ne soit pas le cas. Désormais, c'est l'avenir du meneur aux Thunders qui est en question.
on parle de la possibilité d'un transfert, ce que le joueur ne voudrait absolument pas. Mais pour le moment, le Thunder souhaite le garder et surtout le prolonger et renégocier son contrat pour éviter une nouvelle désillusion l'été prochain. Pour le moment, les deux camps n'auraient pas discuté de prolongation, mais les dirigeants sont maintenant en mesure de lui faire une offre puisque le recrutement semble presque bouclé avec le départ donc il devrait toucher 17,7 millions de dollars la saison prochaine, mais le Thunder peut lui offrir un contrat aux alentours de 26,5 millions de dollars. Le meneur peut toutefois attendre pour gagner quelques millions de plus l'été prochain avec la hausse du salary cap. Pour l'instant, il ne semble pas vouloir signer de prolongation, mais OKC aimerait rapidement aimerait savoir rapidement ce qu'il souhaite faire à l'avenir. S'il ne s'engage pas avec les dirigeants, ils le transféreront pour ne pas la contrepartie de son contrat s'en aller. Allez, on va parler donc des révélations du journaliste Royce Young. Royce Young, le journaliste Royce Young d'ESPN, qui parle de l'état d'esprit actuel de Russell Westbrook. Il a dit, les dirigeants de OKC Russell Westbrook et Kevin Durant n'ont pas discuté depuis la décision de Kevin Durant. Les proches de Russell Westbrook racontent qu'il est à la fois très très furieux et très blessé que Kevin Durant ne l'ait pas personnellement appelé pour lui faire part de son choix. Russell Westbrook ne s'était pas préparé à se retrouver dans cette situation il y a encore 3 semaines. Comme tout le monde, ou presque, il pensait que Kevin Durant resterait à OKC. Actuellement, il prend du recul, non seulement pour réfléchir à son avenir, mais aussi pour penser ses plaies. Alors, Edith Ambandu, tu m'as écouté? Oui, je t'ai très bien écouté, de fond en comble. Alors, comment est-ce que tu réagis à cela? Russell Westbrook, il a une petite volonté de rester, même s'il n'a pas encore concrètement prolongé son contrat. À chaud comme ça, qu'est-ce que tu peux dire? Moi, je pense que il a enfin ce qu'il a toujours voulu, qu'il nous laisse le bruit là. Ah, on appelle ça le bruit du papier nylon. Pour toi, c'est le bruit, hein? Ouais. Moi, je pense que Westbrook. Kevin Durant ne lui est pas dit. Tu confirmes quand même que jusqu'aux dernières heures de la décision de Kevin Durant, Tom, tu pensais qu'il serait resté à OKC, non? Ouais, je pensais qu'il serait resté. Bon, moi, je pense que sa colère peut être légitime dans le cas où Kevin Durant ne lui est pas annoncé cela en personne. Mm-hmm. Tu vois un peu. Mm-hmm. Mais à part cela, penser que Kevin Durant serait de retour, vraiment, il se ment lui-même, il sait ce qu'il faisait, il sait comment il se comportait envers Kevin Durant. On a même vu cela publiquement, comment il lui parlait, il lui manquait de respect. Même il dit que il met les mains sur le front, sur les deux côtés du front, genre, que mon frère consente. Il lui parle genre comme si c'était lui le leader et Kevin Durant c'était le Batman. En général, Kevin Durant, oui. Donc, qui ne joue pas, c'est lui qui ne s'attendait pas à ce que Kevin Durant ne revienne pas. Même dans sa façon de jouer, quand j'entre au terrain, je me convainc que je suis le meilleur joueur sur le parquet. Alors que tu as Kevin Durant à côté. Mm-hmm. C'est pour ça. Et il joue justement comme s'il était le meilleur joueur du parquet. C'est-à-dire, il prend plus de tirs que Kevin Durant. Il y a des positions où Kevin Durant est ouvert, il ne veut pas passer le ballon. Et tout. Tout cela énerve Kevin Durant. Lui, il dit que bon, au lieu d'avoir encore à endurer tout cela, autant mieux aller dans une équipe où on se fout pas mal de celui qui va prendre le dernier, ou c'est pas trop quoi. De celui qui prend le dernier, c'est celui qui est ouvert. On a vu des occasions où Iguodala prend le dernier tir, on a vu des occasions où Clayton s'en prend le dernier tir, ainsi de suite. Donc, à Golden State, le ballon, c'est comme la cola. Ça passe partout. Au moins là-bas, Kevin Durant, c'est que bon, il sera de même, il sera le numéro 1. Mais en même temps, il n'aura plus à penser que je discute la place avec quelqu'un. Surtout que quelqu'un lui a dit, il lui a envoyé un texte, c'est un message que je me fous pas mal d'être sur la face de la NBA. Mmh. S'il veut lui donner ça à LeBron, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est la barre.
Donc ne te dérange pas que je te dise que n'attends pas que tu dises que non c'est mon équipe, non moi je suis pas moi dans ça. On va jouer ensemble. Jouer un peu, non. Donc, donc le gars donc, c'est ça pour toi. Bon, je vois ce que je pense un peu en gros par rapport à Westbrook. Qu'il digère sa chose et qu'il maintenant qu'il est dans la situation qu'il a toujours voulu être, c'est-à-dire être le l'évident numéro un de l'équipe, qu'il s'adapte à son nouvel environnement, c'est tout. Aurélien, oui, tu as écouté Eddie, est-ce que tu es d'accord avec lui? Tu as écouté Eddie? Bon, déjà, je pense pas que Durant soit parti. Je pense qu'il s'est senti, il a eu l'impression que Durant ne l'a pas respecté parce que Durant ne lui s'est senti pas lui-même. Bon, maintenant, je pense que, comme il a dit, Westbrook est plutôt dans une situation favorable pour lui parce que ça lui donne l'occasion de démontrer vraiment qu'il est capable de faire. On vient un peu la façon dont il a élevé son jeu l'année où il est blessé, quand il a joué. Je pense que avec malgré le départ de Durant qui était vraiment important. Alors, un petit problème de connexion avec Aurélien. Tu es là, Aurélien? Oh, on a un petit souci avec ta connexion. Est-ce que tu m'entends? Alors, Aurélien qui a un petit souci avec sa connexion. Simon, tu entends Aurélien ou pas? Non, je n'entendais pas. Alors, Aurélien, il a un problème avec sa connexion. Je vois une exclusion de la conférence. On va le rappeler. Mopao. Ouais. Alors, les réactions de... Tu as entendu Eddie, qu'est-ce que tu en penses de son avis? Est-ce que tu es d'accord avec lui sur le fait que Russell a enfin obtenu ce qu'il voulait et que tout ce qu'il fait, c'est du cinéma? Et quelque part, à 90%, il a obtenu ce qu'il voulait. Il a les clés de l'équipe maintenant. Hein. Mmh. Et en plus, moi, tu dis, Kevin Durant, c'est un soft, mon frère. C'est un soft fire, comme on dit au théâtre. Tu l'as souvent dit, d'ailleurs, sur le parquet. Kevin Durant, j'étais tout dit que I'm the LeBron James, he's still the best player in the league. He's the next, tu vois un peu, non? He's the next chapter in the NBA. Ben, c'est comme ça qu'il va commencer à vouloir le next chapter, gars. Je pense qu'il va aussi go dans les annales comme ça, comme j'étais un great player qui n'a, tu vois un peu, non? Parce qu'à la fin de la journée, je ne peux pas comprendre jusqu'à quel niveau tu as laissé Russell te pousser à le team, mon frère. Et ce qui est arrivé, je faisais suivre en main une vidéo d'un moment où il parlait de où Kevin Durant en train de pray Russell Westbrook is my brother. C'est lui qui on s'entraîne chaque jour, mais aller devant les médias, le trash, regarde, c'est les Wood et Mouna. À la fin de la journée, Russell Westbrook est 10 times mentally stuffed than Kevin Durant, mon frère. Ça a été prouvé. Et maintenant, Russell Westbrook va, si c'est moi, Russell Westbrook, the smart decision to stay, take OKC to the next level. Tu vois un peu, non? Parce qu'ils sont sur la porte du succès. Tu vois un peu, non? J'étais à quoi avec le next piece et ça va aller, c'est tout. Et on va voir maintenant qui était le fait. C'est bien vrai, on sait que Russell Westbrook choque en fin de quart-temps, de quatrième quart-temps. Mais s'il travaille sur ça, il get better. C'est un bon player. À la fin de la journée, c'est toujours s'il reste toujours une superstar, il reste un gars qui peut impacter un match. Il reste un gars qui donne des victoires à une équipe. Donc, Kevin Durant reste juste soft, mon frère. Même là-bas, même où il est parti, là, s'il est tout soft, ça va être la même chose. ok. Allez, c'est donc parti. Donc, c'est terminé, pardon, pour cette partie. Tu veux réagir. Parenthèse. Oui, vas-y. Westbrook aussi joue avec OKC, là. Mm-hmm. Il a bon, oui, il touche moins que Biombo actuellement, c'est pas grave. Mais il joue avec OKC. Qu'est-ce que c'est cette histoire qui dit qu'il veut jouer une saison parce qu'il sait qu'il veut, il veut apporter ou je sais pas quoi. Je pense qu'il veut rentrer dans l'histoire en mettant peut-être 35.15 rebonds 10 passes dans une saison, j'en sais pas, je sais rien, mais qu'est-ce qu'il raconte en fait? Je ne comprends pas. C'est une garantie en fait pour son futur en fait. Il ne veut pas jouer au bâtiment son futur en restant quelque part où il s'est dit qu'il n'a plus rien à gagner, qu'il avait un gars qui comptait sur lui comme un pilier où il devait construire de Dieu. Tu vois un peu, non? Donc c'est une clause. C'est le monde du sport. À la fin de la journée, c'est le business. Hein.
il pense aussi à lui-même d'abord, non? Il joue une année, il voit, mais il get the feel, et then il pousse pour voir. Ce gars va faire une saison où je prends le pari avec lui s'il veut, j'ai pas d'argent, je prends le pari sur ses dos, il ne va pas gagner le titre. Donc, à un moment, je sais même pas s'il va jouer les players, peut-être qu'il va les jouer, ça, on ne peut pas dire. Mais je me pose quand même la question, à 27 ans, c'est-à-dire et 28 en novembre prochain, donc l'année prochaine, 29, je me demande un peu s'il est conscient qu'une saison, il y a des risques. Après, il veut rester, je ne sais pas avec qui, peut-être qu'il a aussi espoir, il connaît ses joueurs, mais il y a des risques, tout peut arriver dans une saison galère. Même ta valeur peut même diminuer par rapport à tout et n'importe quoi. Ta valeur peut diminuer à tout et n'importe quoi. Après, comme tu dis, c'est une garantie. Mais le GM de OKC, si il le garde un an là, c'est qu'il rentre dans les GM les plus mauvais de l'histoire. Mmh. Le gars, il a Los Durant gratis, il va Los Westbrook gratis la saison prochaine. Et peut-être même qu'ils n'auront même pas une bonne pioche pour la draft, parce que Westbrook est capable de leur faire sortir, de faire ce qu'ils sortent 8e ou bien 7e de la conférence, j'en sais rien. Ils n'auront peut-être même pas une bonne pioche au niveau de la draft. Donc, je sais pas trop à quoi. En même temps aussi, il faut dire un truc. Comme monnaie d'échange, il n'y a plus personne. Hein. Les gros ont déjà fait leur marché. C'est à partir, donc, ouais. Où qu'il aille, peut-être qu'il n'est pas fou, parce que je suis réfléchi à ça, que où qu'il aille, soit ce sera dans une équipe très mauvaise, qui a vendangé tous ses joueurs, la moitié de son roster, soit il ne peut pas bouger, parce que je ne vois aucun gros actuellement faire des transactions. Peut-être que Boston peut devenir fou en mettant Isaiah Thomas sur la balance avec quelques joueurs, mais je ne vois pas beaucoup d'équipes capables de proposer une bonne monnaie d'échange. Pour qui? C'est vrai que c'est ça. Oui. Proposer une bonne monnaie d'échange pour qui? Pour Russell Westbrook. Oui. Puis non, il n'y a pas d'équipe, mais à la fin de la journée, c'est que tout le monde est en train de bouger pour que Russell Westbrook go back home. Et c'est la NBA, on trouve toujours des contreparties, même si ce n'est pas de bonne monnaie d'échange, il y a toujours la NBA draft qui arrive. Hein. Et n'oublie pas qu'il y a toujours des futures stars in the making. Il y a toujours un trade qui peut se passer. Ami, il y a toujours un tweet qui peut se passer. Et nous tous savons bien. Les... Ce sera difficile. Ce sera très difficile pour le front office. Pour le front office du Thunders. Allez, on va enchaîner avec cette fin d'émission. C'est vrai qu'on a occupé la plus grande partie de ce match des auditeurs avec les dernières news, parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses à dire sur l'actualité de la Grande Ligue, mais il y a quand même un dernier sujet. On va attaquer ce sujet de façon cool, hein, pour clôturer cette émission, ce match des auditeurs édition 22. Alors, le sujet, hein, le sujet de ce soir, je vais seulement vous demander, on va un peu parler des Team USA. Vous savez que c'est les JO qui vont débuter bientôt. Vous savez que USA Basketball sont en train de faire leurs matchs amicaux. Là, ils sont en train de jouer à la console. On va dire ça comme ça. Ils ont des indicatifs. Ils ont des indicatifs un peu partout. Mais je voulais avoir votre avis concernant les meilleurs Team USA Basketball de l'histoire. D'après ce dont vous vous souvenez ou ce qui vous a marqué. Donc je vais vous donner mon classement personnel et bien entendu vous avez l'occasion de le corriger ou bien vous pouvez bien entendu donner celui que vous souhaitez. Alors pour moi mon classement. Alors quand je parle de classement, j'aimerais parler des 5 meilleures équipes, hein, les 5 meilleurs Team USA Basketball de l'histoire, d'après vous, hein, si vous préférez donner les 3 meilleurs, c'est comme vous le souhaitez, hein, parce que vous pouvez aussi avoir des problèmes au niveau de votre mémoire, hein, on n'est pas la science infuse ici, mais on essaye quand même de donner des réponses, on va dire, un peu concrètes, on va dire ça comme ça. Alors, mon meilleur 5, les meilleurs Team USA de l'histoire, je vais commencer par la 5e place. Alors, à la 5e place,
je mets la Dream Team de 1994. Alors, la Dream Team de 1994, un roster où il y avait Shaq, Joe Dumars, Dominique Wilkins, Alonzo Mourning. Hein, une équipe qui avait une équipe assez costaud hein, pour moi. Hein, la Dream Team de 94, je la mets en cinquième place. C'est la deuxième Dream Team, hein, puisqu'il y avait la première, puis la deuxième. Hein, donc, je la mets en cinquième position. En quatrième position, je mets la Team USA de 2008. La Team USA de 2008, une équipe qui était composée donc de Dwayne Wade, LeBron James, Carmelo Anthony. Bien entendu, il y avait des vétérans comme Kobe Bryant, Jason Kidd ou encore Tayshaun Prince et Michael Redd. En troisième position, je mets la Team USA de 2012. La Team USA de 2012 avec des joueurs comme Dwight Howard, Blake Griffin, Dwayne Wade, Chris Bosh ou encore, bien entendu, des superstars comme Kevin Durant et LeBron James. Et aussi, je sais pas si Kobe Bryant était dans celle de 2012. Oui, il me semble que oui. Oui, il était là. Voilà, donc 2012, je la mets en troisième position. En deuxième position, je mets la Dream Team 3, la Team USA Basketball de 96. 96, on avait Shaquille O'Neal, Hakeem Olajuwon, Gary Payton, Reggie Miller. Et bien entendu, je crois qu'on avait aussi... oui, John Stockton, Scottie Pippen, Karl Malone, David Robinson et aussi Charles Barkley. Et bien entendu, en première position, bien entendu, ça c'est pour moi, hein, vous pouvez avoir un avis différent. Pour moi, je mets en première position la première Dream Team, la Dream Team de 92, dont la Dream Team de 92, qui était donc composée par les légendes que vous connaissez, MJ, Magic, Larry Bird et consorts, on va dire ça comme ça. Je vais passer la parole d'abord à Eddie Tambandu. Eddie, tu m'entends? Eddie? Et le big, je te peux t'entendre. Alors, on parle du classement des meilleurs teams USA de l'histoire du basket aux États-Unis. Les meilleurs teams USA. Alors, est-ce que tu peux faire un classement des 5 meilleurs ou tu préfères faire les 3 meilleurs à ton niveau? C'est comme tu veux. Tu dirais les 3 meilleurs, hein? Je fais les 3 meilleurs. Vas-y pour les 3 meilleurs alors. À commencer par, commence par le troisième. Je termine par le premier. Le troisième, je commence par... Je commence par le Dream Team de 96. 96 pour toi, en troisième position, oui. Et en deuxième position, je prends Dream Team de... Je prends Dream Team de 92. 92, oui. Deuxième position. Et en première position, je prends Dream Team de 2008. En première position, tu prends la Dream Team de 2008. Oui. Alors, tu peux argumenter un peu sur la première position. Bon, déjà, sur la Dream Team de 2008, la plupart, tous à part Jason Kidd, tous étaient vraiment à fleur de peau. Ils étaient vraiment à ce qu'on appelle leur prime. Ouais. Donc, ils étaient hautement athlétiques. Ça allait très super vite. Ouais. Donc ils avaient des joueurs, ils avaient des défenseurs, ils avaient des tireurs, ils avaient tout. Donc pour moi elle était complète. C'est vrai qu'à un moment donné contre l'Espagne, il y a eu un retour jusqu'à 2 points de déficit et tout et avant que Kobe ne prenne le match en main et tout. Mais quand je regarde l'équipe dans l'ensemble, elle était vraiment complète. La Redeem Team composée par Dwayne Wade, LeBron James, Carmelo Anthony, Kobe Bryant, Jason Kidd, Michael Redd, Tayshaun Prince et consorts. Il y avait Chris Bosh, il y avait Chris Bosh, oui. Il y avait Dwight Howard, je pense, si je ne me trompe pas. Oui, il y avait Dwight Howard aussi. Ouais. Ouais, il y avait. 2008 en première position pour toi. Et il y avait aussi l'autre, comment on appelle, Deron Williams. Et il était encore bien en forme. Hein. Allez, on va faire la... C'est bon, Eddie, sinon tu vas encore parler un peu. Bon, je voulais juste ajouter que par rapport aux autres, j'ai mis les autres équipes en dessous. Parce que
ils avaient quand même beaucoup de joueurs qui étaient déjà passés de leur prime. Ouais. Je prends par exemple le 92 quand même où ils avaient quand même un bon nombre de joueurs qui étaient déjà dans la trentaine et tout. Ouais. Et donc il n'y avait que peut-être quelques rares cas comme je sais pas de Scottie Pippen, quelques gars. Mais sinon à l'intérieur quand même ils étaient quand même puissants, donc ça pourrait poser problème au All-Star Game de 2008. Mais je pense dans l'ensemble 2008 allait gagner. Ouais. Voilà, bon, c'était bon. Non, c'est beaucoup plus par rapport au fait de prime contre non-prime. Mais sinon, en termes de talent, je pense que si on regarde essentiellement talent, bon, je pense que tu joues 2008 de toute façon. 2008 pour toi, ouais. Aurélien Biolay, alors, quel est ton classement des 5 ou des 3 meilleurs Team USA Basketball de l'histoire? Aurélien Biolay. Bon, je vais donner les 5, mais est-ce que tu pourrais me rappeler ton classement rapidement? Alors, mon classement, je commence par la première ou par la cinquième? Par la cinquième. La cinquième, j'ai mis 94. La okay. Deuxième, Dream Team, 94. À la quatrième place, j'ai mis la Dream Team, la Team USA de 2008. Ok. En troisième position, j'ai mis 2012. L'équipe de 2012. Okay. En deuxième position, j'ai mis la Dream Team de 96. Et en première position, j'ai mis la première Dream Team, la Dream Team de MJ, Magic et Larry Bird. D'accord. Bon, ok. Si moi je donnais mon classement, je commencerais déjà par 94 en cinquième position. Ouais. Ensuite, 2012, 96, 2008 et... 92. Déjà, j'ai eu. J'aurais même mis 2008 et 92 ex aequo. Déjà, pourquoi bon, 92. J'aurais mis 2008 et 92 ex aequo. Je disais que 92, déjà, on l'a connu, c'est la Dream Team. C'est vraiment l'équipe, comme on la considère, l'équipe ultime. Mais comme Eddie vient de le rappeler, beaucoup de ces joueurs, les Larry Bird, Magic Johnson, tous ces gars-là, ils étaient déjà quasiment à la route. Dans la trentaine passée, donc, quoi. Il y avait. Oui, oui, il y avait quelques joueurs qui étaient toujours dans leur prime, notamment Michael Jordan qui venait de gagner sa troisième bague. Il y avait les Charles Barkley et tous ces gars-là. Mais je pense que deuxième bague. L'avantage que 2008, l'équipe de 2008 avait, c'est que tous ces gars-là étaient vraiment dans leur... Ils étaient soit dans leur prime, comme Kobe Bryant, soit ils étaient en train d'y arriver, comme les LeBron James. On avait Dwayne Wade qui sortait, qui produisait vraiment quelque chose d'exceptionnel. Les Chris Bosh aussi, pas mal. Dwight Howard était encore vraiment le joueur qu'on a connu avant qu'il connaisse les femmes. Donc, je pense que l'équipe de 2008 était vraiment complète. Tous les joueurs, et même les vétérans qu'ils avaient, ils avaient assez de vétérans pour donner de l'expérience dans les vestiaires et sur le terrain, comme Jason Kidd, Tayshaun Prince aussi, il était déjà en train d'aller vers la phase descendante de sa carrière. Donc tous ces joueurs-là, c'est des gars qui avaient vraiment beaucoup d'expérience et avaient le talent de jeunes joueurs comme LeBron James, l'équipe de 2008, qui était vraiment solide. Ouais. Bon, en troisième position, j'avais dit, j'ai dit 96. 96 aussi, c'est une très bonne équipe avec les John Stockton, Karl Malone, Hakeem Olajuwon, tous des joueurs de très grand talent. Mais je ne pense quand même pas que qu'ils pourraient battre les deux équipes précédentes. 92, ils ne pourraient pas les battre parce que le talent était beaucoup plus élevé et 2008, physiquement, ils étaient trop au-dessus. Bon, maintenant, il y avait je crois que c'est la dernière équipe, non? C'est 94 avec Shaq et tous les autres dans l'équipe. Ouais. Bon, c'était une bonne équipe, à eux de très bons joueurs, mais bon, je ne pense pas qu'ils aient réalisé de performances si exceptionnelles qu'on puisse les mettre au-dessus des autres. Ouais, donc, c'est un peu ça, quoi. Ok, ok. Allez, on va passer la parole à Dimitri. Dimitri Darius, tu m'entends? Allô? Oui, tu m'entends, Darius. Allô, Darius. Oui, allô, oui, je t'entends. Elle vient dormir. C'est vrai que c'est beaucoup. Elle dit que c'est fait tard. Elle peut me déranger, non? Darius, Dimitri, fais-nous ton classement des 3 ou des 5 meilleurs Team USA Basketball de l'histoire. Ton classement personnel.
Ok, mon classement personnel. Tu préfères faire les 3 ou les 5e? Vas-y alors. Je vais essayer les 5. Vas-y. En cinquième position, je vais mettre Team USA 94. Mm-hmm. En quatrième position, je vais mettre Team USA 2006. 2006 pour toi, oui. 2006, oui. Mm. Oui, je vais mettre 2006 parce que c'était des gars, une équipe de talent, mais tous assez jeunes. Mais tous trop jeunes, je devrais dire. Trop jeunes. Mm-hmm. Oui. En troisième position, je vais mettre Team USA 2000. Oui, je vais mettre Team USA 2000, oui. Mm-hmm. En deuxième position, je vais mettre Team USA. C'est trop hésitant. J'hésite un peu trop. C'est vrai que j'ai pas réellement vu Team USA. Mais c'est pas grave, c'est juste pour attendre. Mais j'hésite, oui. C'est l'histoire de ressenti. Donc, je vais mettre Team USA. La Dream Team. Dream Team numéro 2, normalement, c'est comme ça que moi je l'appelle. Dream Team numéro 2, 2008. Mm-hmm. Non, je vais quand même mettre Team USA 92 en deuxième position. Je vais mettre Dream Team 2008 en première position. 2008, tu l'as mis aussi en première position comme. Ouais. Ouais. Okay. Mon Pao! Ouais. Vas-y, fais-nous donne-nous ton classement des 3 meilleurs Teams USA ou alors des 5 meilleurs Teams USA basketball de l'histoire si tu... Ah mais si tu regardes bien la base de 96 jusqu'à 2008 en passant par 92, tu vas te rendre compte qu'en fait 96 le 3ème, 92 2ème, 2008 premier, parce qu'en fait 2008 c'était un upgrade en fait, tu vois un peu, non, comme on dit, tout point haut. Tu vas te rendre compte, tu sais que j'étais à son prime, d'autres arrivaient à leur prime, c'était une amélioration. On va te dire LeBron James joue un peu comme on appelle le gars comment là, le gars qui joue à Lakers, ça peut même comment encore. Il joue à Lakers. Magic Johnson, tu veux un peu, non? Moi, t'es bon passeur, attaque l'anneau. Moi, t'es dit Kobe, c'est le représentant de Jordan, tu veux un peu, non? Et tu vois, tout le monde, t'es peut-être de la PO, on essayait de mettre un peu chaque avec Dwight Howard sur la balance, mais c'était pas presque ça. C'était même pas cela, mais le fait qu'il était plus athlétique, tu veux un peu, non? La domination complète, tu vois, c'était. On s'est rendu compte de ce que les gars ont fait cette année-là, ils venaient, c'était un statement qu'ils venaient prouver. Tu vois un peu, non? C'est ça que tu vois, 2000 reste la dedans parce qu'en fait, cette année-là, on a pu voir, donc ceux qui n'ont pas pu voir la Team 92 vraiment performer, en 2000 ou 96, en 2000, tu pouvais voir cela. Tu pouvais voir l'excitement, tu pouvais voir, non, l'amour de la patrie, tu pouvais voir un gars attaquer l'anneau avec la puissance, quand un gars dunk, tu vois comment, mais tu peux voir les dunks de Dwight Howard cette année, il bougeait le matériel. C'est ça que 2008 pour moi reste le top de top. Hein. Ouais, Edouard Nguyen qui jouait comme s'il était en plastique. Ouais, ouais, il était encore au top du top. Ouais. Allez, on va passer la parole. C'est bon, mon pote? Ouais. On va passer la parole au Doc NP pour clôturer ce dossier. Hein, ce dossier, quel est ton classement des best team USA basketball de l'histoire? Le Doc NP dans le corner. Ouais, je ne me rappelle pas. En fait, je cherchais une différence avec celle de 94. Là, il y a un truc qui m'échappe. C'est celle où c'est Isaiah Thomas et Kevin Johnson et Mark Price. Ouais, et des rescapés. Y a... Non, mais je mettrais d'abord, moi, en cinquième, celle de 2000. Celle de 2000 parce que celle de 2000 avait beaucoup de techniques, peut-être pas la plus puissante, mais beaucoup de joueurs techniques et du spectacle qui nous a marqué. Spectacle qui nous a marqué, notamment Vince Carter dans l'équipe et la gueule de Gary Payton avec en même temps Kevin Garnett. Quand tu as Vin Baker, Gary Payton et Kevin Garnett dans une équipe, tu sais que c'est le bub à fond. Donc celle de 2000. Tim Hardaway, Jason Kidd, Ray Allen, c'est une équipe Alonzo Mourning, donc c'est une équipe qui m'a marqué. Donc celle de 2000 en cinquième. Ensuite, je mettrai celle de 94, ouais. Non, c'est le contraire. En fait, c'est que j'essaye de faire 5
Mais je vais partir par du premier jusqu'au dernier. Oui, vas-y, faire... commence par le premier. Parce que dans les... Oui, 92, pour moi, ouais. Juste un seul avantage sur 2008, c'est que on a beau tout me dire que Magic Johnson ou je sais pas quoi, il était un peu vieillissant ou je sais pas, il allait s'amuser, mais quand il fallait jouer sérieux, il pouvait jouer sérieux encore. Bird était un peu blessé, mais bon. Quand tu as Scottie Pippen à son prime, Jordan à son prime, Barkley à son prime, Ewing, Robinson à leur prime, tu ne peux rien à la bouteille de 92, juste avec Malone, Ewing, Robinson et Charles Barkley. Circuler, il n'y a rien à voir. Aucune bouteille au monde, aucune raquette au monde de 2008 ou je ne sais pas quoi. Dwight Howard ne pourra jamais matcher avec David Robinson un jour. Il peut faire toutes ces affaires-là, mais il ne peut pas. Donc... pour moi 92 à cause grâce à leur bouteille à l'extérieur, bon ça se voit un peu hein, mais à la bouteille 92 première, 2008 deuxième, 2012 troisième. Excuse-moi je me trompe, 2008 deuxième, 96 troisième, oui 96 quand même, 96 c'est un remake de 92 mais avec Olajuwon et je sais plus qui d'autre là. Et il y avait du Grand Hill quand même et tout. Donc 96, troisième. J'ai même failli mettre 96, deuxième, mais je mets troisième. Mm-hmm. 2012, quatrième. Et 2000, cinquième. 2000, j'ai expliqué pourquoi. 2012, parce que... 2012, parce qu'ils ont beaucoup... Il y a beaucoup de gros talents des années 2010 et 2000 mélangés qui sont à leur apogée. Et que la saison, là, Kobe Bryant est encore là puisqu'il fait une grosse saison au scoring. Mm-hmm. Donc, LeBron James gagne son titre avec Dwayne Wade. Et donc, il y a beaucoup de joueurs qui sont à leur apogée de légende. Hein. Donc, c'est pour ça que je la mets là aussi en quatrième. 96, je la mets en troisième parce que, comme je l'ai expliqué, c'est un remake. Pour moi, la vraie équipe qui peut matcher avec 92... réellement pour moi c'est 96 ouais. Même si je les mets troisième juste parce que pour moi voir Kobe à son apogée en 2008, la saison qu'il avait faite malgré le titre perdu, et LeBron aussi à son apogée, Wade qui était à son apogée, qui était super en forme et d'autres, mais le talent de 96, tu vois, j'ai limite côte à côte parce que le talent de 96, c'était quelque chose. C'était quelque chose quand même. Le talent de 96, c'était blindé de gardes à tous les niveaux. Mmh. À tous les niveaux. Surtout que tu repars avec David Robinson, mais tu rajoutes Hakeem Olajuwon. Donc, très, très compliqué. Et Shaquille O'Neal. Très compliqué à gérer. Donc voilà, moi ce sont mes explications sur mon classement. Ok. Voilà. Donc c'était sur ce petit dossier hein, qu'on va donc clôturer l'émission de ce soir. Ce match des auditeurs. Vous avez vu, on a passé la plus grande partie de cette émission à faire le point sur les dernières news et il y avait de quoi dire. Donc, on avait donc ce petit débat pour se relaxer un petit peu avant d'attendre les prochaines échéances de Team USA dans les jours qui viennent. Donc, on va remercier les auditeurs. Merci d'avoir été connecté avec nous. Eddie, gars, merci d'avoir été là, frère. Ça fait plaisir, comme d'hab. Merci, Big. Merci pour l'invitation et merci pour ces moments que nous passons ensemble. C'est toujours un plaisir d'agir avec... Toujours. Et un gros bisou au petit bébé là-bas qui est en train de, donner son avis aussi. Hein. L'enfant doit aussi parler. Toi, on attend aussi que tu envoies d'autre part de vin rouge. Hein. Parce que n'est-ce pas? Non, t'inquiète pas. Oui, c'est au frais là. On va commencer à mettre ça dans les cartons là et puis on va envoyer. T'inquiète pas. Y a pas de ok, soucis. Ok, c'est bien. Oh, Aurélien! Merci. Aurélien, merci d'avoir été avec nous ce soir, mon frère. Oui. Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. Une fois de plus, ça fait toujours plaisir. Tu es dans la voiture, là. Tu vas au boulot? Oui, malheureusement.
Non, mais comment malheureusement, il faut travailler. Non, c'est ça, c'est ça. Si moi aussi, la NBA pourrait m'envoyer même quelques millions, là, je prenais aussi. Si tu donnes 100 000, tu refuses. Même 100 000 francs. En tout cas, merci d'avoir été avec nous ce soir sur Radio Hors Basket. Ça nous a fait très plaisir. Merci, mon gars. Merci. Allez, on va faire un gros coucou à Darius Dimitri du côté de Londres, là, du parti avant. Je crois que sa femme lui a dit il faut quand même que tu ailles te coucher. Tu dois te réveiller tôt demain. On va aller en bas. Un big up à Darius Dimitri du côté de Londres. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Moupao. Ouais. Toujours en pause, mon frère. Tu n'ignores rien. Doc NP. Oui, papa. Au rendez-vous pour nos limites basket jeudi. Oui, déjà avant tout, on t'a pas souhaité, moi en tout cas au début, nos félicitations. Ah, merci. Félicitations. Donc, merci. Personnes actives de la radio, on te doit cet honneur, hein, parce que c'est un événement particulier. Hein. On espère un jour, en tout cas pour moi, le connaître. Merci, gars. Merci. Donc, félicitations. C'est bien comme tu parles pour toi. Parle pour ta mère. Toi. Bien. Frère, on ne sait pas si on m'écoute, hein, mon frère. Je peux dire. Vaut mieux parler. En tout cas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et je crois que Madame Lélé a aussi écouté vos remerciements. Elle est sûrement très, très contente et très, très émue en ce moment. Alors, le Doc NP, No Limit, tu as déjà une idée ou ça va venir dès demain soir? Oui, ça va venir dès demain soir. Il n'y a pas le feu. On a été un peu pris là, temps de réfléchir. Mais en même temps, avec ce qui se passe, vaut mieux pas anticiper des sujets parce que... On sait jamais ce qui peut tomber dans les heures qui viennent. Les nouvelles tombent jusqu'à jeudi matin, jusqu'à jeudi, Allez, on va... Ouais, on va terminer donc cette soirée avec un message de Dwayne Wade. Vous savez que vous savez que Amare Stoudemire a pris sa retraite. Donc Amare Stoudemire qui arrête le basket. Donc Dwayne Wade a posté un message sur son compte Instagram. Il a dit This guy, please, let's not forget how bad of a boy he was. Amare is real. Thank you for making us jump out of our seats with vicious dunks like this. You never really know someone until you spend time with them. I can say this past year as your teammate, I got to know the real Amare, and there's no many better. Congrats on your career and going out on your own clock. Voilà, un petit message de Dwayne Wade pour la fin de carrière de Amare Stoudemire qui prend sa retraite aujourd'hui. Et on va dire, on va remercier tous ceux qui étaient connectés en direct pour ce match des auditeurs. Merci d'avoir été connectés avec nous et on vous donne rendez-vous jeudi pour le No Limit Basket à partir de 21h30 comme d'hab avec le Don Quenpi dans le corner et Mopao sous la raquette ou à 3 points aussi toi du côté du soleil de Miami. Et dis-tu les grands déjà le premier les grands déjà le premier chaque fois le premier c'est du manque de joueurs et adieu. N'est-ce pas, mon frère? Ok. Ouais. Allez, passez une très bonne soirée, une très bonne journée pour ceux qui sont encore dans la journée et puis une très bonne nuit pour ceux qui vont aller se coucher. On se donne rendez-vous jeudi pour une nouvelle ligne basket. Ciao, les gars. Bye-bye. Bonne soirée à tous. Ciao.
radio homme s'arrachait. La radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. La radio qui vous écoute. La radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute.